Voilà. Mon grand sourire. Attends, il faut que je prenne un crayon. Voilà. Y est? Non, tu me diras. Hein. Non, j'ai dit que c'était toi qui me disais, donc ça y est, on est en direct. Ça y est, nous sommes en direct. Dernière conférence déconfinée de l'Institut d'astrophysique de Paris, puisque cette conférence n'a pas lieu dans nos murs, n'a pas lieu dans l'amphithéâtre habituel de l'Institut, mais a lieu, comme vous le voyez, d'une manière virtuelle. Voilà. Ça y est? Non, tu me diras. Hein. Non, j'ai dit que c'était toi qui me disais, donc ça y est, on est en direct. Ça y est, nous sommes en direct. Je commence quand, là? Excuse-moi. Dernière conférence déconfinée de l'Institut d'astrophysique de Paris, puisque cette conférence n'a pas lieu dans nos murs, n'a pas lieu dans l'amphithéâtre de l'Institut, mais a lieu, comme vous le voyez, d'une manière virtuelle. Voilà. Ça y est, tu me diras. Non, j'ai dit que c'était toi qui... Direct. Voilà, c'est bon. Bon, voilà, nous reprenons les choses. Vous pouvez constater que nous avons une sacrée habitude. Maintenant, nous sommes devenus professionnels. Nous ne faisons plus d'erreurs. Voilà, c'est un. Alors, j'avais quand même quelques petites annonces à vous faire. C'est la dernière, donc la dernière conférence grand public organisée de cette manière-là. Nous allons reprendre nos activités normales au mois de septembre, plus exactement le 8 septembre. Alors, oui, le 8 septembre, et vous pourrez commencer à vous inscrire dès le 1er septembre sur notre site. Sur notre site, vous aurez tous les détails, en particulier le titre et le nom du conférencier. Tout ça reste encore à confirmer. Et bien entendu, ce qui sera tout à fait original encore pour cette fois, c'est que non seulement la conférence aura lieu dans l'amphithéâtre, mais elle sera également filmée et diffusée en direct sur YouTube. Donc, il pourrait y avoir beaucoup de gens aussi bien dans nos murs qu'à l'extérieur. Voilà. Donc, en attendant, nous allons passer une soirée ensemble en compagnie de Thierry Montmerle. Bonsoir Thierry. Salut Daniel. Voilà, salut à tous. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Vous avez été très nombreux pendant cette période un petit peu compliquée et tout le monde a joué le jeu. Ça a été vraiment une expérience formidable pour nous tous. Et je tiens à vous remercier là, pour votre présence et votre fidélité, toutes les questions que vous avez posées, et aussi d'ailleurs les nombreux participants qui par la suite sont venus, certainement par bouche à oreille ou tout simplement parce que les choses se connaissent, qui ont continué à visionner donc les conférences que nous avions préparées et présentées et diffusées. Voilà. Alors, Thierry. Donc, c'est avec un grand plaisir que nous accueillons Thierry Montmerle ce soir. Alors, quelques mots quand même pour le présenter.
Thierry Maumerle est donc ancien élève de l'École normale supérieure. Il a fait pratiquement toute sa carrière au centre d'énergie, au CEA, à Saclay. C'est quoi déjà CEA ? Commissariat à l'énergie atomique. À l'énergie atomique, voilà. Non, et aux énergies alternatives maintenant. Oui, c'est ça. Voilà, alors soyons simples, au CEA à Saclay. Et son principal... Alors, il a eu des mentors prestigieux, Évry Chassemann, Jean-Claude Péquer et Hubert Reeves. Vous voyez que quand même, nous avons des invités de marque pour les conférences publiques de l'IAP. Donc, et grâce à ses directeurs de thèse ou ses collaborateurs, eh bien, il a pendant cette période, il s'est évidemment initié non seulement à l'astrophysique dans tous les domaines, c'est-à-dire aussi bien la physique nucléaire que l'astrophysique, la cosmologie. Et son thème principal de recherche a tout de suite été défini à cette époque, ça a été l'astrophysique des hautes énergies, rayons gamma, rayons X, rayons cosmiques. Et comme il était à Saclay, eh bien, il a travaillé en lien avec des expériences spatiales, de nombreuses expériences spatiales qui sont régulièrement développées à Saclay. Et cette thématique lui a permis de toucher énormément de sujets, allant des étoiles massives, des supernovas, des vents stellaires qui sont évidemment consécutifs à l'évolution de ces objets-là, l'accélération des rayons cosmiques, génération de nouvelles étoiles, voilà. Donc... Et là aussi, lorsqu'on s'attaque à des problèmes comme ceux-là, eh bien, on est amené à examiner différents processus dans différents domaines, différentes régions du spectre électromagnétique. Donc, il a travaillé aussi bien au sol que dans les observatoires spatiaux, radioastronomie millimétrique, etc. Voilà. Donc, c'est un peu de tout cela dont il pourrait nous parler, mais en fait, il va faire un petit détour vers la Lune, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, tout en ayant travaillé sur l'origine du système solaire, la formation du Soleil, des étoiles, etc., il a quitté le CEA à peu près en 2003, et là, il a pris la direction du laboratoire, du LAOG, laboratoire d'astrophysique de Grenoble. C'est un laboratoire qui était tout jeune à l'époque, et dont le thème favori était les étoiles jeunes, les disques circumstellaires. Et c'est là qu'il a commencé à utiliser les grands télescopes, en particulier radiomillimétriques. Et à la fin de ce mandat, eh bien Thierry Maumerle a été donc élu secrétaire général de l'Union astronomique internationale. Vous savez que les astronomes sont évidemment forment une association internationale très importante où ils gèrent toute l'astronomie, aussi bien pour les pays en développement que pour les pays plus développés. Tas d'aspects intéressants qui nous concernent. Donc, c'est un lourd mandat au cœur de l'astronomie internationale qui accompagne la politique de l'astronomie et évidemment développe des actions d'éducation, de formation auprès du public. Voilà, c'est pour ça que Thierry est parmi nous et qu'il a, en 2019, m'a-t-il dit, et je vérifie sur mes notes, excusez-moi, qu'il a organisé un colloque sur les astronomes diplomates, hein, ceux qui, à travers l'UAI, justement, maintiennent des liens entre les astronomes malgré différentes crises, parce qu'on peut s'imaginer que, avec toutes les crises qui traversent notre planète, eh bien, les astronomes, parfois, dans certains pays, ont des difficultés pour travailler. Et c'est un de ces exemples dont il va parler ce soir, puisqu'il va nous parler de la course à la Lune, les astronomes diplomates au temps de la guerre froide. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. En tout cas, nous avons Thierry Maumerle maintenant en ligne. Bien, bonsoir. Bonsoir Daniel, bonsoir Jean, bonsoir à tous. Je ne vous vois pas. C'est ça la magie de la technique. Je vous parle, je ne vous vois pas. Mais ce qui me frappe quelque part, c'est que la période dont je vais vous parler, c'est essentiellement il y a 50 ans. Je vais évidemment élaborer là-dessus pour les différents anniversaires qui ont lieu, notamment l'année dernière. Évidemment, il y a 50 ans, ce que nous faisons en ce moment aurait été totalement inconcevable. Et c'est, bon, ça mesure un petit peu le temps qui nous sépare. Alors, bien sûr, le temps qui passe, eh bien, il nous frappe tous. Et voilà, donc, j'espère que vous n'avez pas raté, il y a quelques jours, la pleine lune. Elle était magnifique dans certains endroits, comme celui où je me trouve, au bord de la mer, à Lille-Dieu. Je sais que je vais faire des jaloux, mais je pense à vous quand même très fort. Et donc, je vais vous raconter
cette histoire dont pas mal de volets sont en fait inconnus ou méconnus disons, la course à la Lune ou la conquête de la Lune. Voilà les grands mots qu'on a utilisés. Et, disons, le cadre va être, disons, le rôle que l'Union astronomique internationale a joué. C'est un rôle un peu dans la coulisse, mais qui a été, je pense, très important, à la fois scientifique et politique. Et je vais vous illustrer ça un petit peu. C'est peut-être une histoire qu'on entend peu et qui a été assez peu évoquée. Et il y a plein de choses nouvelles grâce à des documents que j'ai découverts récemment. Et c'est cette histoire que je vais vous raconter ce soir. Donc, nous voilà 51 exactement, bientôt. Donc, le premier pas de l'homme sur la Lune. Alors, je ne vais pas revenir sur cet événement qui a été amplement fêté l'année dernière. Ça va être un petit peu le point de départ et puis peut-être le point d'arrivée de cet exposé, un possible retour vers la Lune. Donc, 50 ans après, on a quand même un certain nombre de questions qui reviennent, soit des questions évidentes, soit des questions peut-être auxquelles on ne pense pas toujours. Par exemple, le site d'alunissage, c'était la mer de la tranquillité, le « The Eagle has landed », l'aigle s'est posé. D'où vient ce nom? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de mer de la tranquillité? C'est assez curieux. Je vais vous parler de guerre froide et puis on arrive dans la mer de la tranquillité. C'est un peu paradoxal. C'est un peu comme l'océan Pacifique qui a été le théâtre d'un volet de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, absolument épouvantable. Enfin voilà, c'est l'histoire. En 69, donc, les Américains arrivent sur la Lune. Alors pourquoi cette date? Pourquoi 69 et pas 70 ou bien simplement 20 ans plus tard? Pourquoi est-ce que c'est les Américains qui sont arrivés les premiers sur la Lune? Je vais vous donner quelques éléments de réponse. À mon avis, le 50e anniversaire du débarquement sur la Lune a quand même pas mal occulté sur le plan médiatique le rôle des Soviétiques. Et je vais assez insister sur ce rôle parce que pour moi, il a été absolument fondamental. D'abord, sans les Soviétiques, il n'y aurait pas eu de course à la Lune, point barre. Et puis, malheureusement, ils l'ont perdu au sens de l'arrivée des hommes sur la Lune, mais ils ont fait des choses absolument extraordinaires qui ont été pionnières dans les missions spatiales futures. Je ne parlerai pas des planètes ici, mais c'est un contexte qui a été après Apollo, qui s'est énormément développé. Et puis, en fait, ce fameux pas de géant pour l'humanité que raconté par Neil Armstrong est quand même un peu paradoxal, parce qu'en fait, on disait un pas de géant, tout le monde se voyait sur la Lune, les planètes, il n'y a qu'à reprendre un certain nombre de journaux, de films même de l'époque. 2001, Odyssée de l'espace, c'est 1968, il y a un grand vaisseau qui s'en va vers Jupiter. Et puis en fait, malgré ce pas de géant, rien ne s'est passé depuis. Et c'est peut-être que ce sujet revient d'actualité 50 ans après, mais c'est assez curieux et il y a des raisons pour ça, que ce fameux pas de géant n'ait été suivi d'aucun autre. Donc je vais un petit peu vous raconter toute cette histoire-là. Et puis bien sûr, il y a des aspects scientifiques qui peuvent paraître mineurs aujourd'hui, mais qui à l'époque ont joué un rôle, pas tellement sur le plan de la science en tant que tel, mais sur les contacts scientifiques, sur les rapports entre les pays. Et ça, c'est grâce à l'UAI, et c'est là alors UAI, c'est Union Astronomique Internationale. Il m'arrivera peut-être de dire IAU pour son équivalent en anglais, International Astronomical Union. Vous m'excuserez si c'est le cas. Mais enfin voilà, c'est un petit peu ça, escalité en quelque sorte, que je vais vous raconter. Donc, je vais d'abord commencer par refaire un petit peu le contexte historique. La Lune, l'astre qu'on voit tous les soirs et qui était si beau il y a quelques jours, c'est pas très nouveau, c'est pas une découverte, sauf que ça a attiré l'attention des gens et dès que ça a été possible, un certain nombre d'astronomes ou d'astronomes en herbe pour l'époque ont commencé, lorsque la technologie de l'époque le permettait, de dresser des cartes et de commencer à donner des noms. Alors, je vais vous montrer les enjeux qui sont derrière les noms. Puis ensuite, je vais revenir à la période plus contemporaine pour vous donner le contexte dans lequel cette aventure s'est passée, qui est celui de la guerre froide, c'est-à-dire le climat extrêmement compliqué, extrêmement dangereux à certaines époques, qui régnait dans le monde, et notamment, bien sûr, entre les États-Unis et l'URSS. C'est quelque chose que peut-être la jeune génération ne connaît pas ou ne connaît pas bien. Je ne sais pas si elle est très, très enseignée, mais j'ai trouvé nécessaire de vous donner quelques rappels, parce que si on n'a pas ces rappels, on ne comprend pas le déroulement de l'histoire. Ensuite, je vous décrirai l'état des choses entre les Soviétiques et les Américains à l'époque, pourquoi les Soviétiques ont démarré, ont donné le coup d'envoi de la course à la Lune, qui était un défi qui a été relevé par les Américains, ce qui s'est passé après, et pourquoi l'UAI a été mêlée très très tôt à cette aventure et a, disons, a joué un rôle de ciment pour essayer de mettre ensemble un certain nombre de,
de contraintes, qui est de pression qu'il y avait des deux côtés sur la Lune, et notamment la nomenclature, qui ça paraît quelque chose de banal, et en fait les enjeux sont très importants. C'était le rôle des astronomes diplomates. Et puis ensuite, une fois que l'épisode Apollo s'est terminé, ben, l'histoire elle-même ne s'est pas terminée, et notamment avec un épisode, bon, il y a eu les soviétiques, mais un épisode tout à fait méconnu que j'ai retrouvé dans les archives de l'IAU, qui était le deuxième volet, de la deuxième génération en quelque sorte d'astronomes diplomates. C'est une crise qui a eu lieu avec les Nations Unies à propos justement de la nomenclature des objets célestes que les Nations Unies appelaient extraterrestres. Et puis bon, si j'ai un petit peu de temps, je ferai un épilogue en offrant quelques pistes sur les dernières recherches sur la Lune. Bien, et alors, à tout seigneur, tout honneur, la Lune, grâce à sa lunette, c'est Galilée qui a l'astronomie, on va dire moderne, classique, avec un instrument d'optique. Avant, il n'y avait que l'œil nu. Et dans son ouvrage, le Sidereus Nuncius de 1610, il a dessiné, non pas des cartes de la Lune vraiment, mais disons ce qu'il voyait dans la Lune. Et ce qui est frappant, c'est que là, on voit déjà des détails qui sont difficiles, voire impossibles à voir à l'œil nu. Déjà des cratères, des formes de cratères qui déjà semblaient suggérer que la Lune, après tout, c'était peut-être pas très différent de la Terre. Bon, l'Italie est un pays dans lequel il y a des volcans, n'oublions pas. Donc, avoir des cratères sur la Lune, ça évoquait peut-être des volcans ou des choses qui avaient des similitudes avec la Terre. En tous les cas, on ne parlait pas de cartes. Son instrument n'était pas assez précis pour ça. Mais il y avait quand même une première approche de décrire ce que l'œil voyait à travers un instrument d'astronomie qui était son télescope. Ensuite, les gens ont commencé à faire des cartes, et la première véritable carte de la Lune date de 1645. Elle a été faite par un astronome hollandais, en fait du nom de Van Langren, et qui s'appelait Langrenus parce qu'on aimait bien les noms latins à l'époque, à la demande de Philippe IV, qui était roi d'Espagne à l'époque. Et cette carte est assez étonnante parce que j'ai mis à côté une photo tout à fait ordinaire de la Lune, de la pleine Lune, disons, telle qu'on peut la voir aujourd'hui. Et vous voyez que finalement, 30 ans après Galilée, ben, les instruments s'étaient développés au point que, à l'œil nu, toujours, et en dessinant, parce qu'il faut bien garder à l'esprit qu'avant l'invention de la photographie, on dessinait et on faisait ça, tout ça à la main, eh bien, la carte qui est là, elle a deux éléments. D'abord, elle décrit de façon assez remarquable les grandes structures de la Lune, les mers, etc., qu'on voit bien sûr à l'œil nu, mais là, c'est beaucoup plus précis. Dans certaines régions, c'était étonnamment correct. Mais surtout, on commence à avoir des noms qui apparaissent. Et ça, les noms, ils sont d'entrée de jeu dans ce type de carte, ils sont politiques. Par exemple, là, la carte, comme je vous l'ai expliqué, a été faite à la demande de Philippe IV d'Espagne. Eh bien, vous avez sur la gauche, ici, voilà ma petite flèche, ici, vous avez Oceanus Philippicus. C'est lui qui avait financé ces observations, cette carte. Et donc, c'était l'océan de Philippe. Ensuite, vous avez d'autres mers. Vous avez la mer Austriavum, la mer d'Autriche. Vous avez la terre des honneurs, etc. Donc, c'était un petit peu un mélange de dommages politiques et de considérations, même presque philosophiques. Par exemple, on voit Terra Dignitatis, donc on voit le roi à côté de la dignité. Donc, bien sûr, tout ça n'avait rien de scientifique au sens propre, mais en tout cas, c'était une proposition pour donner des noms, pour s'attribuer, en quelque sorte, s'approprier la Lune. Il y a eu différents exemples, je ne vais pas tout faire. Un autre qui est très important pour nous, c'est qu'en 1651, donc quelques années après, d'autres cartes apparaissent, l'une de Hevelius, qui était aussi hollandais, et de Riccioli, qui était italien. Et vous voyez que ce sont deux cartes qui sont manuscrites toutes les deux, qui ont certaines différences, mais quand même qui sont assez semblables. Mais déjà, on voit les différences, c'est le talent du dessinateur et le talent de l'œil. Et puis, vous avez surtout une philosophie complètement différente pour les noms. D'abord, la carte de Philippe, elle est balayée, on n'en parle plus. Disons, à gauche, vous avez la carte d'Hevelius. Alors, la carte d'Hevelius, elle s'inspire de la géographie terrestre. Vous avez le pont Euxin, vous avez la Méditerranée, vous avez des choses comme ça. Donc, l'idée, c'est de dire la Lune, c'est comme la Terre. Donc, il y a une vague ressemblance avec l'Italie, avec les pays qu'on connaît. Donc, on va leur donner les mêmes noms. Et Riccioli avait une approche plus philosophique. En d'autres termes, puisque on voit la terre, on voit la mer de la sérénité,
on voit la mer de la tranquillité. Voilà, c'est de là que vient la mer de la tranquillité d'Apollo. Vous avez la mer des crises, vous avez la mer, l'océan des tempêtes, etc. Donc, c'est une approche complètement différente. Et en fait, c'est celle-là qui s'est imposée. C'est-à-dire celle qui n'est pas le choix géographique de calquer la Terre sur la Lune, mais c'est plutôt une sorte de concept, de conceptualisation de ce qu'on voit à partir des sentiments, à partir de la philosophie. À l'époque plus moderne, donc là je fais un saut, il y a eu beaucoup de choses avec Cassini, etc. Donc je ne vais pas vous faire toute l'histoire, ça mériterait un séminaire entier. Mais disons, avec le progrès des télescopes et des lunettes, quelqu'un qui est très important pour la nomenclature lunaire qui s'appelle Mädler, qui était un Allemand, a commencé à faire des cartes extrêmement précises avec des relevés de longitude et de latitude. Alors vous allez dans la partie gauche de la diapo, vous voyez à quel point les cratères et toutes les structures sont détaillées. Là, je ne peux pas vous l'agrandir parce qu'en fait, le document que j'ai pris n'a pas la résolution suffisante, mais tous les détails y sont, encore une fois, à la main et après des mois et des mois et des années d'observation. Donc l'intérêt de Mädler, c'est qu'il a un petit peu... il a commencé à donner des noms. Alors c'était lui, il discutait avec des gens, il était membre de l'académie, etc. Mais en gros, les astronomes se sont dit, bah, dans le fond, on va se servir nous-mêmes, on va donner aux cratères. Et alors, petite précaution oratoire, je vais souvent parler de cratères, mais cratères, ça veut dire aussi les montagnes, les vallées, etc. Donc c'est pour pas à chaque fois répéter tous ces critères-là. Bon, le cratère, donner des noms d'astronomes décédés, on ne va pas honorer quelqu'un qui est encore vivant, mais des astronomes décédés, donc il y a suffisamment de cratères, suffisamment d'astronomes, éventuellement des gens, des scientifiques un peu plus connus, pour donner ces noms. Ensuite, il a introduit une terminologie annexe, parce que tous ces cratères, ils sont plus ou moins les uns dans les autres enchâssés, donc c'est des noms et des lettres pour aller plus haut. Mais alors, quand on regarde un petit peu plus le détail, voilà des schémas, vous voyez, qu'il a fait. Là, c'est sur le bord de la Lune, donc on voit assez mal à cause de la perspective. Et là, vous voyez que le dessin, il est très précis, donc globalement, et puis quand on regarde de près, bon, on a quand même l'impression que l'imagination qui a joué, hein, parce que là, vous avez des petits cratères, des grands cratères, on ne les voit pas très bien parce qu'ils sont vus vers l'horizon de la Lune. Là, c'est le cratère de Bailly, donc Bailly qui était un astronome du XVIIIe siècle. Et donc, vous voyez que c'est une méthode qui a ses limites, mais qui a quand même été à la base de la cartographie lunaire pendant jusqu'au temps de la photo. Alors, il y a eu la photo, mais bizarrement, jusque-là, parce que chacun avait son télescope, sa capacité oculaire, son talent de dessinateur, les cartes de la Lune, en fait, d'un auteur à l'autre, n'étaient pas vraiment identiques. Il y avait des noms qui apparaissaient, qui disparaissaient, donc c'était un peu le chaos. Et quand l'UAI a été fondée en 1919, une de ces commissions, alors je vais revenir brièvement là-dessus, qui a été créée, a été consacrée aux planètes, physique des planètes, déjà à l'époque, commission dite 16, commission 17, nomenclature lunaire, pour essayer de mettre un petit peu d'ordre dans ces différentes cartes de la Lune pour s'y retrouver. Alors, les règles pour la nomenclature lunaire se précisent au fil des assemblées générales, je vais vous expliquer dans deux minutes ce que c'est. Donc, à Rome, en 1922, ces commissions sont établies, elles ont commencé à travailler. En 1935, à Berkeley, il y a eu une assemblée générale qui a déterminé les premières règles officielles, donc à vocation d'être adoptées dans le monde entier. La liste des détails topographiques, le latin est conservé, ne serait-ce que pour des raisons historiques et par continuité avec le travail qui avait été fait avant. On qualifie les détails topographiques d'après la géographie terrestre, donc les montagnes, les vallées, etc. Alors les terres ont disparu parce que les terres c'était un petit peu vague et on a trouvé que ces terres étaient remplies de cratères, donc c'était plutôt les cratères qu'il fallait nommer. On a gardé l'esprit de Mädler, c'est-à-dire que pour baptiser des cratères, on a privilégié les astronomes, éventuellement les scientifiques ayant contribué à l'astronomie, mais tous décédés. Et puis en 1900, alors pendant un certain temps, une fois que ce système a été établi, bon, il ne sert pas à passer grand-chose, mais voilà, disons dans la fin des années 50, les vols vers la Lune. Donc en 1961, à Berkeley, il y a eu les premiers noms de l'ère spatiale et les premiers problèmes diplomatiques avec la découverte de la face cachée de la Lune. Et puis après, il y a encore eu des périodes de crise entre pays et avec les Nations Unies, ça je vais vous raconter ça un petit peu plus longtemps. Alors, pour comprendre le rôle de l'UAI
C'est assez simple, hein, c'est simplement une question de vocabulaire. L'UAI, donc l'Union Astronomique Internationale, est composée de membres individuels, qui sont les astronomes, et de membres dits nationaux, ce sont les pays, en gros, c'est pas complètement vrai, mais c'est en général. En 1961, la démographie est importante, il y avait environ 1500 astronomes, et environ 40 pays représentés, les pays principaux, et puis les terriens étaient 3 milliards. Aujourd'hui, donc 50 ans après, plus ou moins une année, on a 14 000 astronomes venant de 110 pays, c'est-à-dire que quasiment tous les pays de la planète sont représentés à l'IAU, et on est 7,5 milliards de terriens. C'est-à-dire qu'on a la population des terriens a plus que doublé pendant cet intervalle de 50 ans. C'est quelque chose qu'il faut avoir présent à l'esprit dans tous les problèmes d'environnement et autres dont on parle beaucoup par ailleurs. C'est un peu hors sujet pour ce soir, mais je voulais quand même le mentionner, parce que pendant ce temps-là, la population des astronomes rapportée à la population des terriens, des habitants de la Terre, a pratiquement augmenté d'un facteur 10. Donc c'est quelque chose de tout à fait spectaculaire. Alors le travail scientifique de l'UAI est discuté au sein de commissions thématiques, qui ont différents sujets. Là, je vous ai parlé de la Lune, il y en a sur les planètes, sur les étoiles, etc. Il est préparé essentiellement par des groupes de travail qui sont des groupes beaucoup plus spécialisés, qui sont concentrés, constitués de quelques membres, quelques dizaines de membres, ça sera le cas pour la Lune. Et les conclusions remontent aux commissions et le total est soumis au vote lors des assemblées générales qui ont lieu tous les 3 ans. Donc, quand je vous parle de Rome, je vous parle de Berkeley, je vous parle de Sydney, etc., ce sont dans ce cycle, ce rythme de tous les 3 ans, c'est là que les résolutions de l'Union astronomique sont votées, sont approuvées et ont en quelque sorte force de loi. J'en reviendrai un petit peu là-dessus vers la fin de l'exposé. Donc voilà, quelque chose qui est relativement anecdotique, mais quand même, c'est qu'il y a deux officiels, l'anglais, qui est bien sûr extrêmement utilisé, et le français. Et à l'époque, il y a 50 ans, comme vous verrez, il y a des documents qui sont des documents de l'UAI tout à fait officiels qui sont en français. Donc c'est assez amusant. Et puis donc au secrétariat de l'IAU qui se trouvait à l'Observatoire de Paris jusqu'à une date récente et puis maintenant à l'Institut d'astrophysique, il y a des archives que j'ai pu consulter et qui n'ont pas été regardées depuis très longtemps et où j'ai trouvé des choses assez intéressantes. Donc voilà, 1935, donc voilà l'état des choses. Alors j'étais très étonné quand j'ai trouvé ça, c'est-à-dire qu'à l'époque, malgré l'invention de la photographie, eh bien les cartes officielles de la Lune à grande échelle étaient faites à la main. Alors, je pense que c'est à cause de... parce que la photographie ne se prêtait pas tellement à mettre des noms, etc. Et la personne la plus importante était une Anglaise, une jeune Anglaise qui s'appelait Marie Adela Blagg, qui était décédée en 1944, qui a été la première femme admise à la Royal Astronomical Society en 1919. Je pense que ça valait la peine de le dire. Mais à cette époque, c'est elle qui avait mis les noms. Elle avait mis des milliers de noms partout, avec des petites lettres à la Medler, etc. Vous avez un exemple là qui est en fait la mère de la sérénité qui joue là, qui jouxte la mer de la tranquillité. Donc, même en 1935, on avait des cartes qu'on peut considérer maintenant à bon droit comme étant primitives. Et bon, finalement, le travail de normalisation avait été fait. Et puis voilà, on est passé à autre chose pour arriver à ce qu'on connaît aujourd'hui pour les détails qu'on connaît à grande échelle. Donc voilà par exemple ce qu'on peut trouver avec tous le nom des cratères un petit peu partout pour le premier quartier, vous voyez ici. Alors A, c'est le site d'Apollo dans la mer de la tranquillité. Et puis par curiosité, j'ai été regarder mes classiques, on a marché sur la Lune, Tintin, 1954 quand même. Et en fait, je me suis rendu compte que le cratère choisi par le professeur Tournesol et le cratère, le Cirque Hipparque. Il parle de Cirque Hipparque. Et je me suis demandé où c'était. Et en fait, j'ai trouvé qu'il est exactement au milieu de la Lune telle qu'on la voit. Et donc, je me suis dit, la raison pour laquelle Tournesol choisit ce cirque n'est pas mentionnée dans l'ouvrage. J'ai fait quelques petites recherches. Je me suis dit, ça y est, j'ai fait ma découverte à moi. La raison pour laquelle Tintin est arrivé sur la Lune, c'est parce que le cirque est exactement en plein milieu de la Lune. Donc voilà, moi aussi, j'ai ma petite contribution à la connaissance de la Lune. Bon, maintenant, très brièvement, la guerre froide. Donc, qu'est-ce que c'était? Eh bien, en fait, c'était cette période qui a quand même duré 40 ans, qui a suivi la fin de la Deuxième Guerre mondiale et le statut de l'Allemagne. Alors, c'est résumé ici, c'est le problème de la ville de Berlin qui avait été prise par les Soviétiques. Et puis, il y a eu des négociations pour savoir qu'est-ce qu'on allait faire de Berlin. Et Berlin a été par traité quadripartite entre les États-Unis, l'Union soviétique, la Grande-Bretagne et la France. Les
entre guillemets, vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale se sont partagés Berlin en quatre secteurs, et le reste à cette époque était, c'était l'Allemagne de Hitler qui était défaite, l'Allemagne nazie. Et en 1948, Staline essaie d'isoler la ville pour consolider un petit peu la conquête de Berlin. Et pour ça, il fait un blocus, c'est-à-dire qu'il interdit les routes, etc., tout ce qui devait apporter le ravitaillement à la ville. Et ce blocus va durer un an. Les Alliés mettent en place un pont aérien pour nourrir 2 millions d'habitants, ce qui était quand même quelque chose d'extraordinaire. Plusieurs avions par jour qui n'arrêtaient pas pour apporter l'essentiel à la population. Et puis finalement, Staline lève le blocus, il voit que ça ne marche pas, enfin, il ne veut pas faire d'escalade militaire parce que c'était contraire au traité. Et donc, c'est ce qui a conduit à la partition de l'Allemagne entre l'Allemagne de l'Est, l'Allemagne de l'Ouest, et puis Berlin-Est, Berlin-Ouest. Et ça, c'est le ferment de la guerre froide. En même temps, l'URSS acquiert la bombe atomique, et notamment la bombe à hydrogène, la bombe à fusion, un an après les États-Unis, en 1953, donc rattrape un certain retard. Et aux États-Unis, c'est aussi l'époque du McCarthyisme, c'est-à-dire une vague d'anticommunisme féroce qui a touché les intellectuels, les artistes, etc. Et quelqu'un de très important dans le programme nucléaire américain, qui est Robert Oppenheimer, qui était le père de l'opération Manhattan et le père de la bombe atomique américaine, qui avait été accusé d'avoir fait fuiter des informations à l'Union soviétique, et puis aussi qui avait refusé de cautionner et de participer au développement de la bombe H, qui était beaucoup plus, en gros, 100 fois plus puissante que les bombes atomiques. Après, donc, dans un climat d'extrême méfiance, en 1961, vous avez la construction du mur de Berlin, donc, sur lequel je reviendrai très très brièvement. En 1962, vous avez la crise des missiles de Cuba, tout ça parce que les missiles étaient pointés vers les États-Unis, alors que l'Alliance Atlantique pointait ses missiles sur l'Union soviétique, donc toujours la question de l'Allemagne qui est au centre de la guerre froide. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est l'arsenal nucléaire. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a une course aux armements absolument démentielle, dans lequel, là, sur ce graphique, vous avez le nombre de têtes, qui sont alors de toute nature. Il y en a des grosses, il y en a des petites, il y en a des tactiques, etc. Mais disons, toutes catégories confondues. Et on voit que la transition entre les bombardiers et les missiles à longue portée, elle se place justement dans les années, au milieu des années 50, 56, 57, 58. Et à partir de ça, c'est ce que vous avez dans le bas ici, vous avez les bombardiers avant, donc hérités de la Deuxième Guerre mondiale, et les fusées à longue portée. Et c'est là, la graine de la course à la Lune. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, je vais revenir un petit peu là-dessus, c'est que ces missiles à longue portée, eh bien, un Russe, Korolev, dont je vais vous parler un petit peu, a eu l'idée de se dire, mais dans le fond, ces fusées pourront emporter des bombes, elles pourraient aussi, elles sont assez puissantes, moyennant quelques modifications, pour envoyer un satellite autour de la Terre. Et un satellite scientifique, au début, on ne pensait pas à la guerre de l'espace, c'était un petit peu trop tôt. Mais moyennant quoi, vous voyez bien que pendant cette période dont je vais vous parler, qui est essentiellement dans les années 60-70, eh bien, regardez l'explosion de l'arsenal nucléaire, jusqu'à 30 000 têtes aux États-Unis. Et au tout début, l'Union soviétique en avait relativement peu, et puis l'Union soviétique, à son tour, s'est mise à monter jusqu'à 40 000. Enfin, c'est quelque chose d'absolument incroyable, parce qu'on ne comprend même pas comment est-ce qu'ils auraient pu les utiliser. Je veux dire, c'était vraiment une course à celui qui en avait le plus, et puis avec tous les dangers que ça pouvait trouver. Donc voilà la guerre froide. Le climat, c'est un climat donc avec gros problèmes sur Berlin, et la course aux armements, qui est dans lequel les fusées jouent évidemment un rôle tout à fait fondamental. Donc voilà, c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Donc, l'avance des Soviétiques et le défi américain, c'est que les Soviétiques, notamment inspirés par Tsiolkovsky, qui est un peu considéré comme le père de l'astronautique, un petit peu scientifique, parce qu'il y avait une fameuse équation de Tsiolkovsky qui régulait l'emport de carburant par une fusée et les fusées à étages, mais lui-même qui se réclamait de Jules Verne, évidemment, le roman De la Terre à la Lune, qui remontait à 1890, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà les inspirateurs de cette fusée. Donc là, c'est tout à fait pacifique. Hein. Et du reste, Tsiolkovsky disait, citation bien connue, « La Terre est le berceau de l'humanité, mais on ne passe pas sa vie entière dans un berceau », citation de 1911, donc avant la Première Guerre mondiale. Et puis là, on passe aux choses malheureusement sérieuses. En Allemagne, Werner von Braun, qui suit d'autres, pilote et convainc le gouvernement nazi de développer des fusées pour bombarder. Ce sont les fameuses armes de représailles. Et il invente la deuxième, la V2, qui part d'une base qui est dans le nord de l'Allemagne, au voisinage de la,
de la Baltique qui s'appelle Peenemünder dès 1941. Et ensuite, à la fin de la guerre, il y aura des milliers de V2 qui vont tomber sur les Anglais essentiellement, avec une charge de 800 kilos, enfin une bombe relativement moyenne, pas très efficace. Mais alors, von Braun était quand même bien sûr très lié avec les nazis, avec l'armée. Du reste, enfin, c'était assez monstrueux parce que la fabrication des fusées, tout c'était des usines qui marchaient avec des déportés du camp de Dora. Enfin, c'était un épisode vraiment la face noire de la conquête de la Lune. C'est le rôle de von Braun pendant la guerre. Mais à la fin de la guerre, il a fui le nord de l'Allemagne qui cédait sous les coups de l'armée rouge pour aller en Suisse. Et là, il s'est rendu aux Américains et il est devenu le créateur du programme Saturne qui a donné lieu à Apollo. Donc, von Braun, c'est côté américain. Côté russe, soviétique à l'époque, vous aviez un jeune chercheur très brillant qui s'appelait Korolev, un ingénieur, très bon organisateur, qui est tombé dans les filets des purges de Staline et qui, à la même époque que je vous décris là, vous voyez, 1941 pour von Braun et 1940 pour Korolev, il était dans le goulag. Il était au camp de la Kolyma, qui était le pire goulag de l'Union soviétique, mais il y avait des laboratoires quand même. Staline avait fait regrouper des scientifiques qui devaient quand même travailler dans des conditions évidemment assez peu confortables au programme de fusées soviétiques. Donc, tout ça a abouti au fait que Korolev a réussi à développer une fusée suffisamment puissante pour lancer un satellite artificiel, et ça a été un tonnerre absolument dont je me souviens personnellement, parce que ça a joué un rôle très important dans la suite, de mes choix scientifiques et de l'astronomie spatiale. C'était le lancement du premier Spoutnik en 1957, le 4 octobre exactement, jour anniversaire de la révolution soviétique, 40 ans avant. Donc c'était un petit satellite, hein, 60 cm de diamètre, 84 kg quand même, il faut les soulever. Et donc son fameux bip bip a résonné dans le monde, et ça a été un coup de tonnerre dans ce climat de guerre froide. On disait ça y est, les Russes ont réussi à mettre en orbite un satellite, et ça a eu un retentissement phénoménal. Deux ans seulement, au lieu d'avoir les fusées qui devaient porter des bombes, les Russes se sont dit, mais dans le fond, on a des fusées assez puissantes, on devrait viser la Lune maintenant. Et après, quand même, des échecs, hein, c'est une histoire compliquée avec beaucoup d'échecs, les Russes ont réalisé un exploit qui, à mon avis, a été absolument fondamental et qui a été assez peu célébré l'année dernière. C'était en 59, donc c'était 10 ans juste avant Apollo, c'est la révélation de la face cachée de la Lune. Et ça, donc c'est une image que vous connaissez ici. Alors c'est amusant parce que c'est une image qu'on regarde comme ça, on a l'impression que c'est la face cachée qu'on voit, mais en réalité c'est pas tout à fait ça, c'est une partie de la face cachée. Voilà, ça c'est la même image à gauche ici. Alors vous voyez, vous avez des espèces de trucs. Alors c'est une image qui a été transmise un petit peu de façon analogue à la télévision. Donc en fait ce que vous avez des lignes comme si c'était un poste de télévision. C'est pas du tout la télémétrie qu'on a bien sûr maintenant, mais voilà, c'était en 1959 et en 2009, 50 ans après, la sonde américaine Luna Reconnaissance Orbiter qui tourne autour de la Lune, qui continue de tourner, qui fait de la cartographie, etc. Voilà ce que ça donne, et voilà, donc en fait, on voit un tiers, disons, de la face visible et deux tiers de la face cachée. Voilà, c'est la photo qui a pour la première fois montré des détails de la face invisible. Et alors, tout de suite, évidemment, les Soviétiques ont commencé par donner des noms. Alors, il y avait assez peu de détails, mais tout de suite, on a eu les monts soviétiques. Bon, c'était un petit peu une sorte de provocation. Il y a eu la mer de Moscou, il y a eu des noms propres de gens importants, et les deux que je vous ai cités étaient là. Tsiolkovsky, Jules Verne ont été parmi les premiers détails topographiques de la face cachée. Alors, ça a percolé jusqu'à l'Union astronomique internationale, parce que, voilà, en fait, il y avait une violation des accords et des règles de l'UAI, c'est-à-dire que l'Académie des sciences de l'Union soviétique avait donné d'elle-même, de son propre chef, des noms à ce qu'elle avait découvert. Et ça, ça a été quelque chose de récurrent. Alors, c'était pas complètement stupide. Alors, il y avait une partie donc de provocation. Les monts soviétiques, ça fait quand même de l'effet. Il y avait la mer de Moscou. Et puis, regardez un petit peu en haut. On va pas tout regarder tout en détail, bien sûr. Mais ils ont essayé d'avoir des noms de gens
de gens célèbres, mais disons relativement internationaux. Vous avez deux Français, vous avez Jules Verne et Pasteur, par exemple. Vous avez Marie Curie, Sklodowska Curie, donc avec son nom de jeune fille polonais. Il y avait Joliot Curie, donc ça a donné lieu à une réorganisation parce que les gens se confondaient les deux. Il y avait Maxwell, il y a Giordano Bruno qui, comme vous savez, a terminé sur le bûcher en 1600 pour avoir professé que les planètes ailleurs, il y avait d'autres terres et que la vie existait ailleurs. Et puis il y a même un cratère chinois. Alors ça, c'est une petite curiosité, parce que la Chine, à l'époque, avait quitté l'Union astronomique internationale pour des raisons politiques à cause de Taïwan, etc. Mais c'était l'allié de l'URSS, et donc un mathématicien chinois du 4e ou 5e siècle, je crois, ce nom a été donné à un des cratères découverts par Luna 3. Donc, l'UAI a dit un petit peu taper du poing sur la table en disant « mais il faut que ce soit nous qui avons l'autorité pour appuyer ces noms, donc il faut qu'on discute de tout ça ». Alors finalement, bien sûr, l'UAI a été mise devant le fait accompli, parce qu'on ne pouvait pas revenir en arrière, surtout que les noms avaient été publiés par l'Académie des sciences de l'Union soviétique en 1960, donc juste après la découverte. Et donc, il y a eu une négociation, et l'UAI a dit « bon, écoutez, d'accord pour cela, vous avez découvert, ok, mais n'y revenez plus, il faut que ça se fasse bien par notre commission qui est responsable de ça, ça ne peut pas se faire autrement ». Alors, ça a été source de tension, comme vous pouvez l'imaginer. Alors, cette page est assez amusante parce qu'elle provient d'une résolution dans la commission de lunaire, et en fait, c'est le seul exemple que je connais d'une carte qui a été publiée sous forme de résolution. C'est-à-dire que ce qui est assez amusant maintenant, rétrospectivement, c'est que les astronomes qui étaient présents à Berkeley, donc dans cette assemblée générale, il devait y en avoir plusieurs centaines, on leur a demandé de voter est-ce que vous approuvez ou non la carte. Évidemment, eux, ce n'était pas eux qui l'avaient faite, mais bon, bien sûr, ils l'ont approuvée à l'unanimité et ça a été très bien. Mais enfin, c'est amusant de voir que la première carte lunaire de la face cachée de la Lune a été publiée par l'IAU en tant que carte via une résolution dans une assemblée générale. C'est un petit peu une curiosité de fonctionnement. Je ne crois pas qu'on fonctionnerait comme ça maintenant. Bon, alors, la Lune, le Spoutnik, la Lune, et puis voilà, ça y est, encore quelques années plus tard, le premier homme dans l'espace. Donc là, la coupe était pleine, les Soviétiques maîtrisaient totalement, bon, avec quelques échecs aussi, mais disons, en gros, ils maîtrisaient la technique des fusées, ils pouvaient les envoyer où ils voulaient, ils pouvaient lancer des satellites artificiels, aller jusqu'à la Lune, tourner autour de la Lune, envoyer même des sondes qui se sont écrasées sur la Lune. Et puis, Yuri Gagarin, jeune pilote d'essai talentueux, a été le premier homme à faire un tour en orbite autour de la Terre. Alors ça a été un deuxième événement extrêmement important, popularité monstre dans tous les pays du monde, et un prestige gigantesque de l'URSS et du système soviétique par implication, bien entendu. Alors c'était le 4 avril 1961, et puis voilà que le mur de Berlin, en août 1961, c'est-à-dire à peu près au même moment que l'Assemblée générale de l'Union astronomique internationale, le mur est érigé pour empêcher les gens de Berlin-Est de fuir à l'Ouest. Donc c'était un petit peu le contre-pied de ce qui s'était passé là. Et puis Kennedy arrive au pouvoir en 1961, le 20 janvier 1961, il prend ses fonctions de président des États-Unis. Quelques semaines après, il fonde le programme Apollo, évidemment conseillé par un certain nombre de gens, mais enfin, il décide d'en faire une priorité nationale. Et l'année d'après, le 12 septembre 1962, il fait son fameux discours « Nous choisissons d'aller vers la Lune, non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est difficile ». Donc là, c'était la course, la vraie course de la Lune était lancée. Le lièvre soviétique était poursuivi par la tortue américaine, mais la tortue, comme vous savez, a fini par gagner. Donc, le lendemain presque de ce discours, quatre semaines après, crise des missiles de Cuba, les Russes ont installé des missiles pointés sur les États-Unis, sur l'île de Cuba, puisqu'ils aidaient le régime de Fidel Castro à l'époque. Et donc on était au bord de la Troisième Guerre mondiale, parce qu'évidemment, les États-Unis n'ont pas accepté ça. C'était une menace directe qui, en fait, faisait pendant à la menace sur l'Union soviétique à travers de Berlin. Donc, vous voyez que la course à la Lune, elle était pacifique dans son déroulement, mais l'arrière-plan était hautement symbolique, était hautement prestigieux. Donc, tout ce qui se passait autour de la Lune prenait une résonance qui dépassait éventuellement largement les enjeux simplement de nomenclature, les enjeux scientifiques. Donc voilà, donc battre les Russes devenait
le leitmotiv des Américains. Donc, vous voyez qu'en 1902, on voyait déjà des obus sur la Lune. Hein, le film de Georges Méliès, bien connu pour ce moment, de voir qu'il n'avait jamais fait. Donc, quel est le rôle de l'IAU là-dedans? Parce qu'on imagine, alors il y a des sondes, il y a des fusées, il y a des cosmos, etc. Et puis ben, l'IAU, elle est là, et puis elle essaie de veiller à un certain ordre et une certaine éthique de la conquête de la Lune. Alors, elle suit évidemment la technique. Hein. Les Russes envoient des sondes vers la Lune, donc la Zond 3 en 1965 donne des photographies excellentes. Il y a tout un programme de préparation à Apollo avec les Lunar Orbiters de 66 à 68 pour faire de la cartographie lunaire de précision sur différentes orbites pour voir la Lune sous toutes les coutures avec une grande résolution. Vous voyez que les résolutions atteintes arrivent dans certaines régions à la dimension du mètre. Donc en fait l'idée c'était qu'on ne pouvait pas envoyer des hommes sur la Lune sans connaître très précisément le terrain. On ne pouvait pas envoyer quelque chose qui risquait par exemple de basculer à l'arrivée. Donc il fallait vraiment connaître les choses très 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 en détail. Et donc Apollo 8, première mission lunaire, et donc habitée, découverte visuelle de la Lune, donc encore résultat très important, les premiers hommes autour de la Lune, non informel donné par les astronautes, et puis les cartes que la NASA envoyait étaient des cartes déjà à haute résolution, vous voyez, 1/250 millième, alors pour fixer les idées, une carte départementale de l'IGN, c'est 1/150 millième, donc vous voyez, c'est pas très différent, donc, vous voyez le niveau de détail obtenu par la NASA sur la Lune, alors pas sur toutes les régions de la Lune, mais surtout sur les régions équatoriales, là où on pensait que quelque part la mission Apollo allait se poser. Et évidemment, ceci a eu un grand impact via la presse sur le public américain, comme toujours, et c'est là que la commission de l'IAU a aussi joué un rôle. Alors, c'était qui ces membres-là? Je vais juste vous en présenter quelques-uns, ceux au moins dont j'ai pu trouver les photos. Alors, un qui est très important, c'est Audouin Dollfus, qui était le président de cette commission, qui était un type assez rigolo, en quelque sorte, qui était lui-même spécialiste plutôt des étoiles doubles et autres, mais il avait fait des vols en ballon à très haute altitude, enfin, il était d'une famille un petit peu, je serais presque tenté de dire excentrique, même si lui avait un aspect relativement sévère. Donc, il était le président de cette commission. Il y avait Donald Benzel, qui était un astronome chevronné, un théoricien solaire, qui était le président du groupe de travail sur la nomenclature lunaire. Il y a eu Minard, qui était un Belge, qui était là. Il y avait Levin, qui était un Russe, c'était un autre Russe avant, mais c'est lui qui est resté longtemps dans ce groupe de travail. Donc, il y avait un colonel Strickland, qui était quelqu'un de la NASA qui arrivait avec ses cartes sous le bras, puis qui disait à la commission, mais voilà, on a plein de cartes, il faut vous donner des noms, parce qu'on ne va plus s'y retrouver, donc une grande pression. Il y avait Kuiper, qui était bien connu, c'était la ceinture de Kuiper, pour ceux qui connaissent l'astronomie, etc. Et donc, c'était une commission extrêmement internationale, vous voyez, vous n'avez pas tous les membres, hein, il y avait le secrétaire général Case de Jager, qui est toujours vivant, il est né en 1921, il va bientôt être centenaire, et il est encore frais, j'ai pu échanger quelques mails avec lui, à propos du bouquin que j'ai en préparation. Donc, c'était des gens qui étaient avec l'esprit ouvert, mais il y a eu des tensions à l'intérieur de la commission. Alors, le problème, en fait, pour les astronomes, c'était c'est un problème grave. Vous voyez la face à gauche, vous avez la face visible, celle qu'on voit tous les jours, que je vous ai déjà montrée, et puis vous avez la face cachée, avec la fameuse maire de Moscou, Tsiolkovsky, Jules Verne, voilà, pour vous montrer un petit peu comment vous orienter. Et vous voyez que la face cachée, elle est pleine de cratères. Elle a beaucoup plus de cratères que la face visible. Donc, le problème de les caractériser, leur donner des noms ou de trouver leurs coordonnées, etc., est un problème qui est quand même très complexe. C'est un problème bête, hein, c'est de repérer des détails sur une boule, mais c'est quand même concrètement extrêmement difficile. Alors, évidemment, il y a des géographes qui font la même chose sur la Terre, mais là, on ne s'attendait pas à ce que cette face cachée soit aussi différente de la face vers nous. Alors ça, il y a des explications d'évolution de la Lune sur lesquelles je n'entrerai pas, évidemment. Donc, ce qui est un événement très important qui a eu lieu, alors là, c'est un événement, c'est la fatalité quelque part, c'est qu'en 1966, donc au milieu, là où la course à la Lune est en cours, les Russes envoient des sondes de reconnaissance, les Américains aussi, etc., chacun se prépare à
envoyé des hommes sur la Lune. Eh bien, dans cette photo intéressante où vous avez à gauche Gagarine et à droite Korolev, alors Korolev sorti de son goulag, alors disons au pinacle de sa puissance, mais qui reste très discret vis-à-vis du public, parce que c'est pas les Russes n'ont pas la même culture de médiatique que les Américains. Eh bien, en 1966, Korolev décède d'un cancer. Et ça a été la raison majeure, et ça je la tiens aussi confirmée de collègues russes que j'ai rencontrés récemment dans ce fameux colloque du mois de septembre, c'est qu'il y avait des grandes rivalités de personnes entre toute cette équipe, et qu'à partir de 1966, en fait, le programme lunaire a été désorganisé, il y avait des conflits sur le choix des fusées utilisées, c'était un petit peu les Legos, les fusées soviétiques, on changeait les étages, on changeait les boosters, etc. C'était très pratique, mais il fallait faire des choix, et les choix étaient différents pour différentes personnes, et donc là, le programme, la course à l'homme soviétique sur la Lune a commencé à battre de l'aile parce que les Russes étaient englués dans des problèmes organisationnels très sérieux. Et en plus de ça, Gagarine se tue en avion en 1968, c'est-à-dire que le premier homme autour de l'espace n'aura même pas vu l'arrivée du premier homme, en l'occurrence américain, sur la Lune. Alors, ce conflit, je reviens brièvement là-dessus, j'ai trouvé plein de documents dans les archives de l'IAU. En fait, c'est presque une question philosophique. À Berkeley, en 1961, vous vous rappelez que les Russes, l'Académie, avaient dit « voilà les noms qu'on donne », et puis l'IAU a dit « oui, d'accord, mais quand même, il faut qu'on fasse ça ensemble », etc. Et puis rebelote, 1968, donc Korolev est mort, et déjà la course à la Lune pour les Russes bat de l'aile, eh bien, ils reviennent à la charge en disant « mais l'Académie des sciences a une commission de nomenclature, alors nous seront très internationales, etc. Nous suivons les recommandations, mais c'est nous les découvreurs et c'est à nous de donner les noms. » Et réponse outrée, alors c'est des membres de la même commission, hein, c'est à l'intérieur de la commission. Mikhailov, il était avant Lévin, et le président du groupe de travail, Menzel, dit « mais c'est un scandale, moi j'étais très outré de cette tenue, c'est comme si moi j'allais demander l'avis de l'Académie des sciences des États-Unis, la commission doit être indépendante des académies, il n'en est pas question, etc. » Donc ça a été tout un foin, et finalement Menzel, qui avait l'air d'être quelqu'un avec une forte personnalité, a fini par obtenir de ses collègues, il y a eu des négociations, des discussions, pour arriver à dire « écoutez, on a une assemblée générale en 1970, donc qui suivait 1968, là. Donc 1970, c'était après Apollo. Ils ne le savaient pas encore, on ne savait pas encore qu'Apollo allait arriver. Mais il faut absolument qu'on trouve un consensus. On ne peut pas se présenter devant les astronomes en disant « bah oui, bah les Russes d'un côté, nous on n'est pas d'accord, mais enfin bon, bah écoutez, vous savez, c'est comme ça, c'est la guerre froide. » Ce n'était pas possible. Pour l'IAU, il fallait absolument qu'ils trouvent des compromis. Donc il y a eu des discussions avec l'Académie des sciences, etc., pour arrondir les angles. Et finalement… les gens se sont un petit peu mis d'accord. Il y a eu, bon, je ne vais pas raconter les détails que j'ai trouvés parce qu'ils sont assez amusants. Il y a eu en gros, la commission a été partagée en deux. Il y avait des anciens et des modernes. Il y avait les anciens qui voulaient garder uniquement les astronomes, etc. Mais il y avait tellement de cratères qu'on n'arrivait plus à trouver. On aurait fini par trouver des post-docs pour donner des noms de cratères, c'était pas possible. Et puis d'autres qui étaient plutôt les modernes, avec Metzel qui disait « mais écoutez, il faut qu'on élargisse les noms, on est d'accord pour garder les noms scientifiques, mais et encore, il faudrait peut-être regarder des noms d'écrivains, des gens qui sont autour de la Lune, enfin, qui ont écrit à propos de la Lune, donc pour baptiser des cratères. » Et donc finalement, c'est ce qui s'est passé. Alors, le problème, c'est que c'était par rapport aux règles de 1935. La 1935 est devenue assez irréaliste parce qu'il y avait trop de cratères pour les noms disponibles. Bon, le système de Mendeleïev, on l'a un petit peu gardé avec les lettres en attendant, comme en disant c'est provisoire, parce qu'on voyait bien qu'il y avait des centaines et des centaines de noms à donner. Des gens ont proposé de dire « mais au lieu de donner des noms, donnez-nous les coordonnées, et puis ça suffira, on arrivera à se repérer ». Des membres de la commission qui avaient été navigateurs, il y en a un notamment, qui était navigateur de Bombardier pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui disait « mais écoutez, moi quand j'étais au-dessus de l'Allemagne pour bombarder les villes allemandes, si je n'avais pas un nom sur la carte, etc., moi je ne me reconnaissais pas, je pouvais avoir des coordonnées sur mon radar, etc., mais pour s'y retrouver, pour discuter avec le pilote, etc., pour prendre on donnait des noms, donc il faut donner des noms et pas avoir des symboles mathématiques. En plus, on peut se tromper, on peut mal les écrire, etc.
un autre problème qui s'est posé, qui était enfin un problème plus peut-être plus sympathique, c'était de dire bon, c'est une aventure humaine. Il y a des hommes autour de la Terre, il y a des hommes qui vont aller sur la Lune. Comment leur rendre hommage et évidemment, il faut trouver une solution pour que leur nom soit sur la Lune. Alors c'était aussi en contradiction avec les règles de 1935. Là, on commençait à mettre le pied en disant « Ah oui, mais c'est des gens qui sont vivants. » Donc, en principe, c'était pas le cas. Donc, discussion, est-ce qu'on doit le faire, est-ce qu'on ne doit pas le faire, est-ce qu'on doit attendre qu'ils meurent, par exemple. Voilà. Ensuite, il y avait bêtement, alors pour l'ensemble des cratères, des noms, des problèmes avec la translittération. Si on voulait vraiment faire des critères internationaux, il y avait déjà les Russes, donc il fallait se mettre d'accord sur la translittération en caractère latin, parce que tout le monde s'était quand même mis d'accord qu'au final, on devait écrire ça en caractère latin. Je ne parle même pas des Chinois. Donc, comment faire? Comment restituer correctement la phonétique? Parce que même vous traduisez un nom russe avec l'alphabet romain, ça traduit mal la phonétique, éventuellement. Les signes diacritiques, pour certaines langues, vous savez, les petits accents en dessus, en haut, les cédilles, etc. Comment fait-on? Alors ça, je n'entrerai pas dans le détail, mais j'ai vu des propositions assez cocasses à la limite. Mais bon, disons que tout ça n'a pas encore complètement convergé, mais bon, la solution la plus simple s'est imposée un petit peu naturellement. Et puis, il y avait aussi la pression du public. Et ça, c'est pour vous qui êtes le public qui est en train peut-être de continuer à m'écouter. C'est assez amusant parce que, donc après Apollo 8, hein, c'est Noël, le jour de Noël 1968, donc ça c'est une date qui est facile à retenir. La fameuse photo du lever de terre sur la Lune qui est quand même très spectaculaire et très symbolique. Eh bien, la presse s'en empare et aux États-Unis, le New York Times, The Newsweek, toutes ces grandes presses font état de plein de très bonnes idées pour donner des noms à tout ce qui est passé sous Apollo 8, etc. Vous ne pouvez pas regarder le détail parce que là, évidemment, c'est trop petit. Mais donc, ça recommençait avec le chaos. Donc, le FBI a dit, mais non, il faut arrêter ça. Même les scientifiques commençaient à donner des noms à droite et à gauche. Ah ben là, il a vu un cratère, ben pourquoi est-ce qu'on ne l'appellerait pas du Schmoll, etc. Et donc, il a fallu mettre le haut là et convaincre la presse qu'il y avait un organisme, il y avait une commission de l'IAU qui était responsable de ça. Qui regardait avec bienveillance les propositions qu'on pouvait faire, mais c'était elle qui devait le choisir. Alors, dans ce climat qui était encore un petit peu incertain, 1969, 21 juillet, Apollo 11, là vous avez une photo que je trouve assez amusante, où Nixon est en train de téléphoner aux astronautes d'Apollo 11 pour leur dire « Bravo les gars, on est les premiers, grâce à vous, on a battu les Russes ». Voilà, en gros, je ne suis pas sûr que ce soit ça exactement qu'il ait dit, mais bon, c'était certainement l'idée. La télévision, déjà, qui transmettait ça. Moi, j'ai eu la chance d'être témoin, comme beaucoup d'autres de ma génération, de cet événement. C'était absolument extraordinaire. On ne voyait rien du tout. C'était la télé avec très basse définition, mais c'était absolument magique. C'était fantastique. Alors, petit détail auquel vous n'avez peut-être pas réfléchi, c'est qu'on voit, donc, on voit quelqu'un qui descend sur une échelle. On dit « Ouais, c'est le premier pas sur la Lune, etc. » En réalité, celui qu'on voit, c'est Aldrin, c'est le numéro 2, parce que c'était Armstrong, le premier, qui prenait la prise de vue. Évidemment, il n'y avait personne sur la Lune pour attendre Armstrong. Donc, en fait, le premier homme sur la Lune qu'on voit à la télé, eh ben, en fait, c'est le deuxième. Donc voilà, c'est expliqué en partie dans le film First Man là, qui est sorti l'année dernière. Alors voilà, tiens, voilà un document officiel de l'IAU en français, signé de Dolphus, qui écrivait très très bien en anglais par ailleurs, et qui dit des choses quand même assez remarquables. On va s'arrêter 2 minutes. La première observation de la face de la Lune opposée à la Terre en 1961 a constitué une réalisation mondiale d'une incontestable importance philosophique pour l'humanité. Elle a été reconnue comme telle par l'UAI, etc., etc., etc. Oups, attendez. Voilà. Me trouvant personnellement responsable, etc., tant pour... Donc, j'appelle à faire une exception sur les affaires de nomenclature, tant pour rehausser encore la valeur de l'exception que pour prévenir le précédent qu'elle risque de constituer pour la suite des travaux de la Commission dans ce domaine. Parce qu'il se doute qu'en fait, il va y avoir d'autres débarquements, qu'il va y avoir des événements importants aussi. Et donc là, il dit à ses collègues, il dit « Faites attention, on va faire une exception, mais il faut faire attention à la façon dont ça sera utilisé après ». Et puis là, ici, cette très belle phrase, le premier débarquement d'un être humain sur un astre représente pour l'humanité une étape d'une telle importance qu'elle impose
une attribution particulière et évidente sur la Lune. Donc voilà les réflexions qui vont un petit peu au-delà de simplement du travail un peu scolaire, peut-être de trouver des noms. S'y dérober me paraîtrait une faute grave. Et puis il rajoute aussi, c'est la raison pour laquelle, qui a motivé ma réponse au télégramme professeur Levin, alors c'était le document que vous avez vu tout à l'heure, en proposant, puisqu'il y a conflit, et donc il admet qu'il y a conflit au sein de la commission, de revenir strictement à l'application des principes traditionnels, etc. Donc je vous passe un petit peu le détail, bien entendu, mais c'est juste pour illustrer que ces gens-là se sont vraiment empaillés sur un certain nombre de problèmes qui avaient l'air peut-être tout à fait banaux. Ah ben j'appelle le cratère machin, etc., Machinov ou Machine Build, mais il y avait une telle résonance dans le public et dans le contexte de la guerre froide, prestige, etc., qu'il fallait faire extrêmement attention. Alors, donc, ce qui a été fini, c'est d'élargir les noms non-astronomes, de représenter autant que faire se peut le plus de nations possible, c'est-à-dire de laisser les pays membres de la Commission, URSS, États-Unis, même éventuellement d'autres pays, de côté pour se concentrer simplement sur quelque chose qui est le grand pas de l'humanité, disons, un bien de l'humanité. Alors, pour vous donner quelques exemples, un des premiers lauréats des noms de baptême de la face cachée, c'était Cyrano, c'était notre Cyrano de Bergerac. Donald Wenzel était très francophile, il était copain de Dollfuss, il connaissait Cyrano de Bergerac, le vrai, celui qui avait écrit l'histoire des comiques des états du Soleil et de la Lune, et qui, lui, était, d'après son récit, parti sur la Lune avec ceinturé de boules de rosée chauffées par le Soleil. Donc c'est très, très poétique. Évidemment, pour des gens comme Cyrano de Bergerac, comme Voltaire et autres, c'était une façon de se confronter avec d'autres situations, parce que bien sûr, il y avait des habitants sur la Lune. On est en 1650 et quelques, la même époque que les cartes que je vous ai montrées tout à l'heure. Et donc, pour les gens, c'était pas surprenant qu'il puisse y avoir des habitants. Enfin, peut-être que des gens n'y avaient même pas pensé. Enfin, lui, il y avait pensé. Et donc, il décrivait comment le contact, comparer les terriens aux sélénites, etc. Déjà, XVIIe siècle. Ensuite, Voltaire représentera, puis d'autres. Mais c'était vraiment un précurseur. Et donc, il a maintenant un très beau cratère sur la face cachée de la Lune, parce que c'est très encombré de l'autre côté. Il y a Gagarine aussi, donc, qui était décédé à cette époque-là. Jules Verne, vous voyez. Donc, il était en bonne compagnie. Et puis là, donc voilà, on est sur la face cachée, hein, j'ai appris à la connaître maintenant, je la connais presque comme la face visible, enfin j'exagère. Les négociations qui ont eu lieu pour honorer donc tous ces gens-là, et en particulier les astronautes, eh bien ça a été une sorte de partage des territoires entre, pour les cosmonautes en tout cas, et les astronautes, entre zones. Alors, disons, tout ce qui était astronautes soviétiques, etc., c'était dans la mer de Moscou. Donc, vous voyez, c'était cette région-là, donc la première qu'ils avaient découvert. Et puis ensuite, il y avait un ensemble de cratères. Alors, au sud, là, vous avez l'équateur est à peu près ici. Voilà, donc dans la moitié sud. Donc, vous voyez, il y avait quand même un voisinage qui était quand même prudemment, une distanciation politique entre les deux pays qui était quand même assez considérable, et un grand cratère qui s'appelle Apollo, et avec plein de petits cratères dedans qui permettaient ensuite de donner des noms liés à l'astronautique américaine dans cette zone-là. Alors, pour vous retrouver, donc Gagarine, dont je viens de vous parler, il est là. Donc, vous avez Cyrano qui est ici, vous avez Jules Verne qui est là, vous voyez, vous commencez à vous y retrouver. Et puis là, vous avez Komarov, vous savez, qui a été tué dans un retour de vol orbital. Et puis vous avez plein d'autres noms. Alors évidemment, on ne va pas les faire les uns après les autres, mais vous avez Mendeleïev, vous avez des grands savants, vous avez Zwicky, qui est un grand astronome, qui avait un peu le père de la matière noire dans les amas de galaxies. Vous avez Van de Graaff, par exemple, les accélérateurs de particules. Bon, enfin voilà. Donc vous avez, c'est extrêmement extrêmement varié. Alors voilà, pour te concentrer sur les soldats de l'espace, en quelque sorte, et bien voilà, donc sur le site d'Apollo 11 qui est ici, dans la mer de la Tranquillité, bien, il y avait des petits cratères là, qui sont là, donc qui ont été baptisés du nom des astronautes, donc Armstrong, Collins et Aldrin ici. Vous avez malheureusement donc l'aspect un peu, on va dire, cimetière lunaire. Quand en 86, la navette Challenger a explosé, eh bien, on a donné des noms de cratères lunaires dans cette région du grand cratère Apollo de l'équipage. Donc, vous avez Smith, Scobie, McAuliffe, etc., qui était une femme, Jarvis, etc. Donc, c'est un peu une sorte de nécropole
des victimes de l'espace. Et puis vous avez ici, donc ça c'est le cratère Apollo, le cratère Apollo que vous avez vu là, mais vu sous une autre perspective. Vous avez Chaffee, Grissom et White qui ont péri dans l'incendie de la première capsule Apollo qui était en haut de la fusée Saturne V. Donc c'est A1, c'est pour Apollo 1. Et puis ensuite, ceux qui ont été les premiers à être autour de la Lune, dont Lovell, Anders et Borman, autour de la Lune. Puis Dryden, c'est le nom d'une base dans laquelle les astronautes américains s'entraînaient. Donc vous avez, donc il y a une sorte de partage comme ça, de dommages rendus à la fois des astronautes ou des cosmonautes vivants ou décédés. Il y a eu un cratère Korolev, évidemment. Bon, le programme Apollo se déroule, mais il est finalement annulé par Nixon. Il coûte très cher, et puis bon, c'est évident que les Américains ont gagné la course à la Lune, sont les premiers, et puis ils ont renvoyé. C'est absolument incroyable quand on y pense. Vous voyez, les derniers hommes sur la Lune, c'est 1972. C'est donc 3 ans après Apollo 11, donc c'est Apollo 17. Alors il y a Apollo 13 qui, comme vous savez, ne s'est pas posé sur la Lune, mais est revenu après son accident. Donc en réalité, ça faisait 6 missions Apollo en l'espace de 3 ans. Donc ça fait quasiment une tous les 6 mois. C'était un rythme absolument effréné. Et en fait, initialement, les plans du programme Apollo, c'était de continuer à lancer pour éventuellement réfléchir à une base lunaire, etc. C'était absolument, absolument phénoménal. Donc c'est une des raisons aussi pour lesquelles les Russes n'ont pas pu suivre, c'est que là, il y avait une quantité de moyens absolument gigantesque. Soit dit en passant, j'ai parlé de la guerre froide, mais il ne faut pas oublier la guerre du Vietnam qui faisait rage à l'époque, donc qui prenait beaucoup de ressources aussi aux Américains. Donc là, c'était une course absolument démente. Je crois que c'est un petit peu le terme qui s'applique. Mais vous voyez que les Américains, en bon américain, ils ont des petites voitures, ils peuvent pas s'empêcher de prendre leur voiture pour aller faire des excursions. Donc là, vous avez, c'est la troisième mission avec la petite Jeep lunaire qui est là, qui est à côté de ce gros rocher qui est là. Alors là, c'est un des astronautes, je ne me rappelle plus de son nom, qui est là. Donc il prend sa petite auto pour aller faire un tour à côté du site d'atterrissage du fameux LEM. Et voilà les balades qu'ils ont fait à ce moment-là, donc en 1972. Donc EVA, c'est extra Vehicular Activity, donc en sortant de leur base qui était là. Donc la première là, la deuxième là. Donc la photo, vous avez vu précédemment, elle est prise de là. Ils se sont promenés comme ça et ils ont donné des noms à leur tour à tout ce qui était là. Alors, soumis à l'UAI, des noms sérieux, etc., pas des injures ou le nom de chien, etc., ce qu'ils avaient fait un peu entre eux à un moment donné. Donc ils s'étaient disciplinés. Et donc les astronautes eux-mêmes ont pu donner les astronautes américains, bien sûr, ont pu donner des noms eux-mêmes. Et voilà, et aujourd'hui, on en est, grâce à cette politique, à ces compromis qui ont eu lieu, vous avez plus de 9000 cratères qui portent des noms, ou des lieux nulaires, encore une fois, ces cratères, montagnes, collines et tout. Et qui, en gros, c'est des noms. Et puis maintenant, il y a aussi des lettres. On a continué à mettre des lettres parce qu'on ne pouvait pas donner des noms à tout le monde. Donc, il y a A, B, C, D, E, F. Dans le système de Mandler, au début, c'était même plus compliqué. Il y avait des lettres grecques, il y avait alpha, bêta, gamma. Bon, on ne s'en sortait pas. Puis, il y avait des cratères. On ne savait pas très bien si c'était appartenait au cratère de gauche ou au cratère de droite. Donc, voilà. Donc, on se retrouve là. Et maintenant, on arrive rapidement à l'ère post-Apollo. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après? Et à quoi ça servait finalement de continuer à donner des noms maintenant que la course à la Lune techniquement a été gagnée par les Américains? Bien, en fait, les Soviétiques ne se sont pas découragés et ils ont eu une idée extrêmement originale. Au lieu de se dire à un moment donné, donc c'était 2 ou 3 ans après la mort de Korolev, comme vraiment on ne pouvait plus espérer envoyer un Soviétique sur la Lune, alors qu'ils avaient déjà un problème, ils avaient des cosmonautes qui étaient prêts à partir, etc., problème de fusée et compagnie, ils se sont dit, ben, on va envoyer des robots, on va envoyer des sondes qui vont se poser, qui vont nous ramener du matériau lunaire, qui vont se balader, etc. Ils ont fait des tas de choses, et ça, c'est une chose dont on n'a pas parlé l'année dernière, et je trouve ça très dommage, parce que c'était vraiment, ils ont été pionniers dans d'autres domaines. Là, on est dans les années 70, là, vous avez vu que la course aux armements continue, donc on ne peut pas dire que c'était la paix, mais d'une certaine façon, le climat se calme un peu, on était 10 ans après Cuba, etc., c'était les années 70, les États-Unis reconnaissaient l'URSS, Nixon avait rencontré Mao, donc les choses allaient un petit peu mieux. Et donc, il y avait moins d'animosité entre les Soviétiques et les Américains en particulier. Et donc, les Soviétiques, en parallèle avec le programme Apollo, et même éventuellement insérés dans les différents fonds, ont mené des programmes d'exploration lunaire avec des missions de retour d'échantillons. Donc, vous aviez
une sonde, hein, c'est ce qu'on voit ici, qui se posait sur la Lune, qui restait là, qui creusait un petit peu, puis qui ramenait des choses qui arrivaient en parachute. Enfin, c'était des très, très, très belles manips. Alors, évidemment, ce n'était pas comme les astronautes d'Apollo qui ramenaient des valises de cailloux lunaires, plusieurs 250 kilos, je crois, au total. Là, c'est plutôt l'unité, ce n'était pas le kilo, c'était plutôt le gramme. Mais ils ont pu aller dans des endroits où les astronautes d'Apollo ne sont pas allés. Donc, c'était sondage de la Lune à des endroits différents, ce qui était intéressant. Donc, on voit ici les endroits où se sont posés. Vous voyez, on les voit bien. Alors, ce sont des photos prises par le fameux LRO, le Lunar Reconnaissance Orbiter, dont je vous ai parlé au début, qui fait d'excellentes photos et qui retrouvait comme ça toute une panoplie de sondes sur la Lune. Alors, les complotistes qui disent qu'on n'est jamais allé sur la Lune, etc., ben, désolé, on voit ce qui s'est passé. Je vais revenir aussi. Donc, et puis, alors, ils ont inventé les rovers aussi, les fameux rovers qu'on voit sur Mars, etc., ce qu'on appelle l'astromobile, j'ai vu le terme quelque part, je trouve ça très joli. Donc, parlons français, on va parler d'astromobile, les fameux lunar holds, c'est-à-dire les promeneurs lunaires. Et donc, ils envoyaient une fusée qui se posait sur la Lune, tout le schéma adopté par tout le monde était le même. Donc, la sonde arrivait, et puis là, il y avait une petite rampe, puis cette espèce de baignoire là, qui était là, avec ses roues, se baladait comme ça, sur la Lune, et voilà le résultat. Donc ici, vous en avez deux qui ont fait des excursions. Donc en 71, le Nord-Rod 1, qui est au Palais de la Découverte, je l'ai vu avec une petite étudiante que j'ai emmenée voir des trucs sur l'espace à l'échelle 1,5, donc c'est vraiment une baignoire avec le panneau solaire qui s'est ouvert, etc., avec des antennes pour envoyer des données. Le deuxième était un peu plus perfectionné, mais c'était le même. Donc c'était la deuxième excursion et la dernière en 73. Et puis voilà les photos, les panoramiques que les lunes Rod ont envoyées. Alors j'aime beaucoup cette photo-là, parce que là on se croirait, là encore dans Tintin au pays de l'or noir, vous savez que les Dupont à un moment donné se trouvent dans le désert, puis retournent sur leur pas, ben là c'est un petit peu la même chose, donc on voit ça grâce aux Russes. Mais alors ce qui est peut-être plus important, c'est les distances parcourues. Le premier lunar rod a fait plus de 10 km et le deuxième 37 km. C'est à ce jour le record de distance parcourue sur la Lune par un instrument automatique qui était piloté un petit peu à l'aveugle, parce que vous savez que la lumière met plus d'une seconde pour aller jusqu'à faire une télécommande. Donc c'est un caillou, n'importe quoi, on le voit une seconde trop tard sur Terre, ça risque la collision. Ben, c'est un petit peu ce qui s'est passé une fois sur la Lune. Donc pendant ce temps, un tout petit peu au-dessus, mais je vais y arriver, l'ONU, alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien l'ONU envoie, il y a une crise en même temps, avec l'IAU cette fois-ci, pendant que les Russes se baladent sur la Lune, reçoit en 1971 une lettre assez étrange d'un groupe d'experts de géographie qui disent à l'IAU, ben écoutez, voilà, les noms extraterrestres sont des noms, c'est pour des objets, il y a la Lune, vous avez donné des noms, mais c'est un problème général, nous sommes géographes, sur la Terre, il faut aussi baptiser les fonds marins, il faut baptiser les rivières, etc., il faut arriver à quelque chose de normalisé pour tout le monde, donc nous avons fondé un groupe, et si nous serions heureux d'avoir votre contribution. Donc un changement complet de politique par rapport à celle que l'IAU avait toujours suivie, c'est-à-dire d'être l'autorité qui permettait de donner des noms aux noms dits extraterrestres. Alors ça, j'adore l'expression des noms extraterrestres. C'était les noms que donnait l'IAU, c'était des noms extraterrestres. Bah, effectivement, c'était des noms extraterrestres. Donc l'ONU, alors là je vais être très, très rapide, il y a beaucoup de documents là-dessus, mais bon là, l'IAU réagit, mais est très discrète là-dessus, même au sein de l'IAU. Hein, c'était quelque chose dont on n'a pas parlé. J'ai interrogé des gens, de Jaeger, l'ancien secrétaire général qui était secrétaire général à l'époque. Bon, l'IAU a pris ça un petit peu de haut, mais d'un autre côté, Metzel, dans la réunion, a dit, mais dans le fond, ils ont quand même un point. Ils veulent noter ça pour avoir un aspect juridique, imposer les noms, qu'ils soient valables et reconnus par tout le monde. Mais dans le fond, on devrait vraiment élargir notre façon de donner des gens, on devrait honorer d'autres gens qui font autre chose. Alors là, il y a juste une petite phrase, alors elle est en anglais, excusez-moi pour ceux qui ne connaissent pas l'anglais, mais en gros, c'est une lettre d'un rapport interne de Menzel qui dit quels sont les groupes de gens à qui on pourrait utiliser pour donner des noms de cratères lunaires. Et ils disent, un,
ici, voilà, il y a aussi quelqu'un a exprimé l'opinion qui est populaire ces jours-là, on est en 1972, hein, du Women's Lib, donc c'était le mouvement de libération des femmes aux États-Unis, qu'on pourrait avoir honoré plus de femmes, dit-il. Mais parce que les femmes distinguées dans les sciences physiques ont été relativement peu nombreuses, notre liste finale comprend très peu de noms de femmes distinguées, mais c'est pas un point particulièrement important, dit-il. Mais on aurait, si on avait choisi des catégories comme les grands chanteurs ou les grands auteurs, peut-être qu'on aurait mis plus. Alors c'est quand même assez cocasse ce qui se passe en ce moment. C'est vraiment l'esprit de l'époque des années 70. Bon voilà, tout ça pour dire qu'il y a eu des conflits qui ont été finalement résolus et je saute 10 ans après, 1982. Au cours d'une des assemblées générales, alors là, on parle des Nations Unies, le rôle de l'IAU officiel, ça c'est une découverte que j'ai faite en fait, est reconnu officiellement comme étant l'organisme qui a l'autorité pour donner des noms et que ces noms sont de facto reconnus par la communauté internationale. Donc ça, c'était très important parce que récemment, on dit encore, même très peu de temps sur les planètes, etc., on dit « mais de quoi se mêle l'IAU ? C'est les gens qui découvrent, etc. » Ben non, l'IAU s'est un petit peu autoproclamé pendant longtemps le garant des noms extraterrestres, donc. Mais en réalité, ça a été sanctionné officiellement par l'ONU en 1982. Donc, vous voyez, c'est le dernier épisode des astronomes diplomates. Et donc, c'est une grande satisfaction pour l'IAU de voir son rôle reconnu, et puis ces querelles avec les géographes des Nations Unies, c'était un petit peu grotesque quelquefois, mais ça c'est une autre histoire. Voilà, donc les toutes dernières diapos, Daniel, c'est donc maintenant, donc ce pas de géant qui n'a donné rien du tout, et ben il a les votes de 7 lieues, on arrive maintenant, il y a des gens qui se disent, bah tiens, on va retourner sur la Lune, on a une meilleure technologie. Et puis ce qui est très important, c'est que ce ne sont plus les mêmes acteurs, en tous les cas, des nouveaux acteurs plus exactement, arrivent sur la scène, et ces nouveaux acteurs, c'est jusqu'à présent, c'est la Chine et l'Inde. Alors la Chine a fait une grande première, c'est une idée absolument superbe, c'est d'envoyer un de ses petits rovers, un astromobile chinois, qui s'est promené sur la face cachée de la Lune. Alors comment ça se fait qu'ils ont envoyé des signaux sur la Terre? Eh bien parce qu'ils avaient un satellite à eux qui tournait et qui envoyait les données sur la Terre. Donc ça, c'est une grande première, évidemment, on ne s'attendait pas à des découvertes scientifiques extraordinaires, mais c'est quand même un exploit technologique important. Et en plus, du point de vue de l'IAU et de la nomenclature, eh bien, là, on a des détails topographiques qui portent des noms chinois. Donc, vous voyez, vous avez la liste là, ce sont les choses que vous voyez là, à l'horizon, bon, disons sur cette image. Donc, il y a des... Alors, c'est de la mythologie chinoise, là, ce n'est pas des Chinois célèbres. C'est la mythologie chinoise, donc sur le site de l'IAU, vous avez les explications, vous avez des légendes chinoises avec des personnages dont les noms ont été donnés à des cratères. Et puis, alors ça c'était le 15 février 2019, et un petit peu plus tard, le 6 septembre, l'Inde a envoyé à son tour une sonde qui devait se poser et qui devait faire une petite promenade aussi. Malheureusement, elle s'est écrasée, mais en tout cas, c'était un signal fort que l'Inde s'intéressait à ça. Donc voilà la fameuse, voilà le site de l'écrasement a été trouvé par Lunar Reconnaissance Orbiter. Donc là, paf, évidemment, il reste plus grand-chose de la sonde. Mais c'était les deux. Ce qui était remarquable, c'est que les deux sondes ont été envoyées près du pôle sud de la Lune. Et pourquoi le pôle sud? Donc voilà ce que ça donne. Voilà, ça c'est la face cachée. Donc voilà l'endroit où les Chinois ont atterri. Hein. Donc c'est la zone qui est là. Donc c'est la zone où vous voyez. Donc voilà, la mer de Moscou, elle est là pour vous repérer, hein, etc. Donc ça c'est près du Bon, le pôle sud, il est là, mais c'est à basse latitude sur la face cachée. Les Indiens, pareil, à plus basse latitude encore, près du pôle, mais sur la face visible, cette fois-ci, c'était plus simple du point de vue des télécommunications. Et la raison, c'est que sur le pôle sud, eh bien, on trouve de la glace. On trouve de la glace dans des cratères qui sont tels qu'ils ne voient jamais la lumière du soleil. Et donc, la glace, c'est potentiellement une réserve d'eau. Et donc, les gens se disent, mais dans le fond, peut-être qu'on pourra établir des bases permanentes autour du pôle sud de la Lune, alors dans un avenir
plus ou moins lointain. Mais voilà, donc là, voilà les petites traces bleues, c'est la glace sur les cratères du pôle sud de la Lune. Et peut-être qu'à ce moment-là, on se retrouvera un peu dans cette superbe image de 2001, Odyssée de l'espace, film de 1968, dans lequel une équipe d'astronautes d'une base lunaire, on trouve ce fameux monolithe qui est le fil, la trame de l'histoire de 2001, Odyssée de l'espace, qui est un des films fondateurs de cette ère-là. Et c'est peut-être sur cette vision d'une éventuelle base permanente sur le pôle sud de la Lune, qui n'a pas l'air très hospitalier quand même, que je vais vous laisser pour ce soir. Et je vous remercie de votre attention. Eh bien, merci Thierry. Vraiment, c'est passionnant. On voit à quel point la Lune est devenue un enjeu capital après peut-être combien, 50 ans de silence. On n'en parlait plus beaucoup. Mais alors finalement, par exemple, les Chinois donnent des noms, là aussi, l'UAI Control, ou c'est… Oui, tout à fait. C'est-à-dire que là, il y a des… En fait, l'IAU, après cette période où c'était une commission de l'IAU, mais après consultation des académies des sciences de beaucoup de pays, on a l'impression que c'est un petit groupe qui a tout décidé. En réalité, il a effectivement décidé, pour éviter les redondances, il fallait surtout bien qualifier les détails. C'est-à-dire que, par exemple, c'est un cratère, est-ce que c'est un beau cratère bien rond ou bien quelque chose allongé ? Enfin, c'est un travail très méticuleux. Mais j'ai pu éventuellement donner l'impression que la commission décidait de tout, mais en réalité, elle a fait faire un large appel pour avoir des suggestions de noms des académies des sciences, des pays membres de l'IAU et même d'autres pays éventuellement. Enfin, plein de propositions sont arrivées, ils ont fait le tri. Alors, c'est vrai qu'ils ont pris les décisions finales à un moment donné, mais il y a eu plein de propositions. Et là, maintenant, la règle est bien établie, c'est un autre groupe de travail, il est un peu différent, mais c'est l'héritier du premier. Et donc, les Chinois dans ces cas-là, et maintenant les Américains pour Pluton, etc., on fait la même chose. Quelquefois, c'est un peu compliqué parce que les gens veulent imposer, parce qu'ils ont découvert, ils veulent imposer des noms. Mais il y a aussi des négociations très, très, très subtiles et quelquefois qui nécessitent d'avoir des gens très cultivés pour bien comprendre les enjeux, pour ne pas mettre n'importe quoi non plus. Et là, les Chinois, alors les Indiens, bien sûr, la mission s'est écrasée, donc il n'y a pas de nom indien sur la Lune, mais il y aura pu y en avoir. Et à ce moment-là, avec l'IAU, donc on regarde un petit peu les noms, d'où ils viennent, on est pour s'assurer que ce n'est pas des guerriers lointains, des choses comme ça. Quoi. Mais l'IAU a vraiment le contrôle du résultat final. Oui, ça c'est bien que ce soit régulé de cette façon-là. Je voulais quand même te dire qu'il y a pas mal de réactions positives là sur le site. Excellente conférence, bravo, merci pour cette présentation. Donc, je me dois de transmettre ces compliments. Je crois que vraiment ta présentation a beaucoup intéressé le public. Alors, j'ai juste un commentaire à faire par rapport à. Il y a deux commentaires. L'histoire des noms, il n'y a pas qu'à Lune hein, qui a posé ces problèmes-là. Souvenez-vous, lorsque Herschel découvre Uranus, il croit bien que c'est une bonne idée de lui donner comme nom Georges III, qui était son mécène. Eh bien, ça a suscité un tollé, parce qu'évidemment, Georges III, il n'est pas représentatif de… c'était pas universel, c'était le roi d'Angleterre, si je me souviens bien. Oui, oui, tout à fait, oui, oui. Donc, c'est peut-être à partir de ce moment-là qu'on a commencé déjà à normaliser un petit peu la manière de donner des noms. Ceci étant, ce qui se passe pour la Lune, ce que tu as décrit, ne se passe pas vraiment de la même manière pour les comètes, parce que les comètes, chacun peut donner le nom qui lui plaît, le nom de son petit ami, ou d'une fleur, ou d'une son actrice préférée. Non, pour les comètes, sauf erreur, ça porte le nom des découvreurs, quasiment automatiquement. Tu as le fameux Schumacher-Levy qui s'est écrasé sur Jupiter, tu as la comète de Halley, pour prendre des exemples. Non, pour les astéroïdes, pardon. Alors, ça c'est un petit peu différent, c'est-à-dire que là, on peut, alors si vous avez, l'IAU aussi s'occupe de ça, c'est même financé par la NASA, vous avez des astéroïdes, le procédé est un petit peu différent, c'est-à-dire qu'on envoie des propositions de noms et il y a une commission qui va sélectionner des noms. Alors là, on peut mettre des noms de personnes vivantes. Je peux même en deux minutes te raconter une anecdote qui m'est arrivée quand j'étais secrétaire général et qui m'a beaucoup embarrassé, c'est que un jour, je reçois un coup de fil ou un mail, je ne me rappelle plus, d'un journaliste américain qui me dit « Écoutez, l'IAU, qu'est-ce que va faire l'IAU pour l'astéroïde Armstrong ?» Alors, je dis « Armstrong, mais enfin,
Neil Armstrong, il est assez normal. Il a effectivement un astéroïde. Quel est le problème ? Ah, mais il dit non, c'est pas Neil Armstrong, c'est Lance Armstrong. Ah, je dis ah, Lance Armstrong. Alors c'était au moment où il y a eu le scandale des Tours de France dopés, etc. Et parce que le gars me dit, mais est-ce que l'IAU, maintenant que c'est à la mode de déboulonner les statues, là, ça aurait été de dire, il est retiré de la liste des astéroïdes, etc. Alors, évidemment, l'enjeu, là, c'est que chaque fois qu'on donne un nom à un astéroïde, il y a une petite justification en une phrase ou deux en disant, voilà, c'est quelqu'un, c'est par exemple Neil Armstrong, le premier homme à avoir posé le pied sur la Lune. Voilà. Et Lance Armstrong, c'était, je ne me souviens pas du texte exact, mais c'était le champion cycliste qui est une inspiration pour la jeunesse. Voilà, c'était quelque chose comme ça. Donc, bah ouais. Dopez-vous. Alors, je dois reconnaître que je n'ai pas regardé la dernière mouture, parce que j'ai un peu botté en touche vers les gens qui s'occupent de ça. Mais le problème de base qu'on avait soulevé, c'est de dire il y a une procédure pour donner des noms, une sélection. Il ne faut pas que ce soit, par exemple, quelqu'un qui ait été impliqué dans des actes de violence, de politique. Il ne faut pas que ce soit un homme politique, etc. Donc, il y a plein de conditions où ça ne doit pas être quelque chose. Mais il n'y a pas de statutairement de règles pour retirer ça. Quelqu'un m'avait dit aussi qu'il y avait un astéroïde qui portait le nom d'un... c'était un évêque qui avait qu'on accusait d'avoir parmi les nombreuses hypothèses d'avoir brûlé la bibliothèque d'Alexandrie. Alors oui, c'est même pas Lance Armstrong. Et dit mais c'est scandaleux, il a un astéroïde alors qu'il a brûlé la bibliothèque d'Alexandrie. Alors j'ai refait un petit peu de doc et j'ai vu que la bibliothèque d'Alexandrie, s'il y avait autant de coupables que ça, elle aurait brûlé 10 fois parce que c'est extrêmement compliqué. Elle a brûlé en par petits morceaux, donc c'était déjà sur le plan du procès difficile d'attribuer celui-là, mais enfin, apparemment, il avait eu un rôle assez négatif. Évidemment, c'était des livres interdits, etc. Mais là aussi, il n'y a pas de procédure pour déboulonner, en quelque sorte, les astéroïdes. Donc, je ne sais pas, j'avoue que je ne sais pas quelle est la situation. Je pourrais si les gens sont intéressés, je vais essayer de me renseigner auprès de mes collègues, mais je ne suis pas spécialiste des astéroïdes moi-même. Mais c'est une question qui risque de se poser, parce qu'il y a beaucoup, je suis sûr qu'en regardant la liste des astéroïdes, il va y avoir des gens... Ce qui est intéressant, c'est que les enjeux sont différents. C'est que là, les enjeux sont nationaux, alors que dans le cas des astéroïdes, etc., c'est chacun donne un nom et puis on regarde si ça colle ou si ça colle pas. Et alors, il faut une grande différence. Oui. Mais alors, ce qu'il faut bien voir aussi, c'est l'étendue du problème. Les astéroïdes, il y en a environ 600 000 qui sont connus. Connus, c'est-à-dire dans les orbites, etc. Et il y en a de nommés, je crois qu'il y en a quelques dizaines de milliers. Vous avez la liste sur Internet, sur le Minor Planet Center, ils sont tous là. Donc, il y a vraiment beaucoup d'espace pour eux. Et si on veut faire plaisir à quelqu'un et qu'on a quand même une justification, on peut le faire. Donc, c'est un espace beaucoup plus vaste. Et là, naturellement, les pays sont bien représentés, parce qu'il faut bien voir aussi, et c'était un problème pour les cratères lunaires, c'est que de même qu'il y avait cet épisode assez drôle de Wenzel disant oui, il n'y a pas vraiment beaucoup de femmes scientifiques, donc au final il n'y a pas beaucoup de cratères qui ont des noms de femmes, mais si on avait pris un autre critère, il y en aurait eu plus. Mais en fait, c'était aussi une vision assez relativement étroite malgré sa bonne volonté, c'est que par définition, si on utilise uniquement les scientifiques, ça exclut de facto plein de pays qui n'ont jamais eu de scientifiques, parce que c'est des pays en voie de développement, par exemple, des choses comme ça, ou des pays lointains qui n'ont pas de tradition scientifique, en Afrique par exemple, ou autre, enfin l'Afrique avant la colonie, ou quelque chose comme ça. Alors, il y a un petit peu une compensation de ça, qui est que les si j'ai bonne mémoire, les cratères de moins d'un kilomètre de diamètre, là, ils sont pas, et c'est pas des célébrités qui sont utilisées, mais ce sont des prénoms. Et alors ça, c'est très joli quand on regarde la liste, parce que vous avez des prénoms de tous les pays du monde, enfin tous, je n'ai pas fait l'inventaire de tous les pays, mais enfin les prénoms avec les enfants. D'abord, on peut faire une égalité complète entre les prénoms masculins et les prénoms féminins, et on peut toucher plein de pays. Donc en fait, vous avez beaucoup de pays qui se trouvent représentés par le biais des prénoms, de leurs prénoms, disons, nationaux. Et ça, je trouve ça une très très belle idée. Et puis là, avec des petits cratères, il y en a plein, donc là, il n'y a pas de dispute à avoir. Alors, est-il vrai qu'il y a eu des gens qui ont essayé de tenter de vendre des morceaux de lune Oh mon Dieu, offrant mon Dieu.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Ou des morceaux de lune et des morceaux de. Des étoiles, on sait qu'il y a des cartes. Des astéroïdes aussi. Des étoiles qui sont vendues, mais pour la lune, oui. Oui. Alors, il y a eu ça. Oui, il y a eu ça. Ça me rappelle une anecdote, c'est que quand j'étais gosse, j'étais tellement passionné par ce qui se passait sur la lune, etc., qu'un jour à Noël, mon père est venu, il me dit ah, tu voudrais vraiment aller sur la lune. Je lui dis ah oui, papa, ça a l'air formidable avec Gagarine et compagnie. Et il a ouvert une enveloppe, il m'a dit tiens, voilà ton ticket. Et quand j'ai ouvert l'enveloppe, je me suis dit, quoi, sur la Lune? Là, je me suis dit, oula, si ça devient sérieux comme ça, je démissionne. Et c'était évidemment une blague, mais c'était assez drôle. Mais donc, oui, alors la Lune a été vendue partout. Alors, l'UAI donne régulièrement des avertissements disant que l'univers est à tout le monde, qu'on ne peut pas le vendre. Il y a eu des histoires, c'était même pas sur la Lune, c'était les cratères de Mars, avec une affaire avec Alan Stern, celui de Pluton, enfin c'est aussi une affaire qui était assez désagréable, où sous prétexte de financer des projets scientifiques, ils vendaient des noms, dont on pouvait donner des noms aux cratères de Mars, qui étaient fictifs évidemment, non approuvés par l'IAU, mais moyennant quelques dollars, on pouvait donner son nom, ou le nom de son chien, ou de sa petite amie, ou n'importe quoi, sans contrôle, sans rien, et ça a fait l'objet d'une réaction très très vive de l'IAU. J'étais en fonction à ce moment-là, quand on a essayé de protéger l'IAU. Dans un autre ordre, excuse-moi. Donc, je dis à tout le monde, tous les gens qui regardent YouTube, etc., si on vous propose un terrain sur la Lune, n'achetez pas, ça ne vaut rien, et il ne faut pas encourager ce genre de pratique. Bon, il n'y a pas de virus là-bas, c'est bien pour se confiner quand même. Il n'y a pas de virus, alors ça, c'est pas évident. Ah. Parce que c'est... Alors, en principe, il n'y a pas de virus apporté par les sondes, parce qu'en principe, elles ont toutes été stérilisées très soigneusement, parce qu'on a eu des expériences autour de la Terre, notamment sur la station spatiale, etc., où on a mis des bactéries. Et on a essayé, et notamment c'est lié avec le problème de l'origine de la vie, qui m'intéresse aussi par ailleurs, pour voir si les bactéries dans l'espace pouvaient survivre. L'idée étant que la vie, il y a des théories qui disent que la vie vient d'ailleurs sur la Terre, ce qui fait que repousser le problème, mais enfin, que sur Terre, elle vient de l'espace. Et en fait, on s'est rendu compte que les bactéries, certaines en tout cas, peuvent être extrêmement résistantes. Alors, on n'en a pas trouvé sur des météorites, mais certaines bactéries peuvent être extrêmement résistantes. Et un petit peu comme les grains de blé là, qu'on fait pousser alors qu'ils remontent au temps des pharaons, et ben, avec les bactéries, ben, on les met dans une boîte de pétri et puis hop, elles continuent à se... Donc, il faut faire très attention à ça. Et donc, tout le monde, les Américains, les Européens aussi, etc., prennent grand soin de stériliser toutes les missions qu'ils envoient, parce qu'il pourrait y avoir des virus qui se déposent, par exemple, sur la Lune. Évidemment, ils ne vont pas se développer, mais en plus, les virus, c'est vraiment intermédiaire entre l'air et le vivant, et ça peut être extrêmement résistant. Alors, il y a des films aussi, il y a des films de science-fiction là-dessus. Il y a Mars, je ne sais pas quoi, là, où il y a des types qui arrivent et puis ils creusent le sol et puis hop, ils attrapent une maladie. Bon, enfin, c'est évidemment horrible. Mais c'est quelque chose qu'il faut prendre très, 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 très au sérieux. Et alors, pour envoyer des astronautes ou des cosmonautes ou des taïkonautes, blabla, sur la Lune et dans les stations permanentes, là, ça sera certainement une préoccupation extrêmement, extrêmement grave, parce que là, pour le coup, l'isolement, le confinement, ça peut être catastrophique. Là, c'est évidemment, on ne peut pas simplement envoyer une fusée pour rapatrier les gens, etc. Donc, ça nous promet des jours heureux à venir. Il y a une question qui a été posée dans un autre ordre d'idées. Là, quelqu'un demande quelles sciences font les Chinois avec Change 4 plus YouTube 2. En fait, ils font. Je connais pas en détail, mais disons que c'est assez classique, c'est-à-dire que ça fait penser au Lunar Rod justement, aux astromobiles. Donc, ils envoient un tout petit. Alors, c'est petit, c'est beaucoup plus petit que les Lunar Rod. Le Lunar Rod, c'était des manips. J'ai mentionné un qui est au Palais de la Découverte à l'échelle 1,5. Vous multipliez par deux et vous avez vraiment une baignoire, mais de la taille d'une baignoire, hein, quelque chose de lourd et qui se déplace avec des batteries, etc. Le petit robot chinois, il est quand même assez petit, du même ordre que les rovers martiens américains. Bah, il se promène, il a pris des photos, des panoramiques, il a fait quelques sondages.
sur le plan scientifique, il n'y a pas de révolution. Je pense que c'est surtout l'exploit technologique, d'avoir eu l'idée déjà d'aller regarder la face cachée de la Lune, ça c'est pas bête. Mais bon, on sait par ailleurs que la face cachée de la Lune, à part d'avoir beaucoup plus de cratères que la face visible, elle n'est pas fondamentalement différente. Mais ce qui est vrai, c'est que personne n'a jamais, par exemple, envoyé une sonde pour faire un retour d'échantillon de la face cachée. Oui. Ça ne s'est pas fait. Donc, je crois. Alors là, il n'y a pas de retour d'échantillon, à ma connaissance, avec la manip chinoise. Potentiellement, la Lune est riche en quoi ? En hélium-3, c'est ça ? Alors oui, à cause du vent solaire. C'est le vent solaire qui est piégé dans les couches, dans le régolithe, dans la couche supérieure du sol, donc qui est assez riche effectivement là-dessus. Il y a un rapport hélium 4 sur hélium 3 qui est typiquement solaire. Il y avait eu la manip de Geiss avec le drapeau qui piégeait les particules. C'était une belle manip parce que c'était juste un voile de je ne me rappelle plus la matière de rhodoïde ou quelque chose comme ça, dans lequel les particules d'hélium étaient piégées. Puis les astronautes ramenaient ça, puis c'était analysé au laboratoire pour justement voir la composition du vent solaire, parce qu'on ne la connaissait pas à l'époque. Oui, et donc, c'était enrichi effectivement par les phénomènes, disons, de la haute atmosphère solaire. Là, c'était vraiment solaire. Et qu'en est-il de cette idée complètement folle et stupide, me semble-t-il, d'exporter nos déchets radioactifs sur la Lune quelque part et de les enfouir ? Tant qu'à faire, on ferait mieux de les envoyer sur le Soleil. Là, ça c'est pas gênant du tout. Non, je crois. Les choses qu'on lit, c'est plutôt comme par exemple extraire certains minéraux puis les ramener sur la Terre, etc. Si tu me demandes mon avis, moi je trouve ça un petit peu fumeux quand même, hein, parce que je ne crois pas que la science ait beaucoup à voir. Et puis là, autant les enjeux dans la guerre froide étaient, disons, clairs, hein, le monde était partagé en deux, USA, URSS, c'était Est-Ouest. Là, il y avait le vainqueur. Enfin, c'était à la limite simpliste comme approche. C'était celui qui arriverait plus vite, qui aurait sa bagnole, etc. On n'est pas dans tout ce contexte-là, heureusement. Mmh. Et d'aller, à part le prestige scientifique et technologique d'avoir mis une sonde sur la face cachée de la Lune, peut-être que pour Xi Jinping, c'était très bien, mais ce qui se passe à Hong Kong ou ailleurs, ça a quand même une autre résonance et une autre importance que ça. Hein. Donc, je crois que tout ce qui est là-dessus, une base sur la Lune, franchement, bon, on donne toujours une justification scientifique. Alors, il y a des buts astronomiques, par contre. On peut mettre justement dans une base permanente, on peut s'imaginer, enfin, les gens l'ont fait, il y a des rapports là-dessus, mettre des radiotélescopes, par exemple, qui seraient complètement abrités des émissions terrestres, parce que ça devient une source de plus en plus embêtante avec les constellations de satellites, par exemple, qu'on est en train de lancer en ce moment. C'est une catastrophe, ça. Donc, sur la Lune, on met des télescopes et tout, comme on en met en Antarctique, et ça, les astronomes sont très forts là-dessus, mais bon, la logistique est quand même un peu plus compliquée qu'en Antarctique. Donc, non, tout ce qui est balancer les déchets ou bien ramener des trucs, bon, on trouve ça dans la littérature, mais moi, ça me laisse... Oui, ou dans des séries télévisées, oui. Mais en ce qui concerne les bases lunaires pour visée astronomique, ça peut être intéressant, même si ce n'est pas habité. Enfin, tu peux imaginer. Ah oui, mais là je parle bien des vols habités. C'est ça que les gens ont en tête. Oui. Le prochain défi, c'est vraiment une base habitée et donc recherche des ressources locales pour ne pas avoir à les apporter. Et donc, cette espèce d'engouement que les gens ont pour le pôle sud de la Lune, pour lequel il y a des quantités d'eau qu'à ma connaissance, on a encore pour l'instant mal évalué, parce qu'on voit que la surface, hein, c'est comme si vous aviez un glacier, vous ne savez pas à quel point, jusqu'où il est profond. Il paraît qu'il y a aussi dans ces coins-là, on a des indications, alors par les satellites autour qui font des sondages, des compositions, etc. à distance, qu'il y a des grottes et des choses comme ça. Donc pour le rayonnement cosmique, qui est quand même le grand ennemi des astronautes, on ne peut pas rester comme ça des semaines entières à recevoir des particules à haute énergie, des rayonnements d'ionisants, hein, comme chez nous. C'est quand même très mauvais, ça fait des cancers, enfin, c'est une horreur. Mais par contre, si on vit en troglodyte dans des grottes lunaires, un petit peu comme c'est Tintin encore, hein, on a marché sur la Lune, vous avez un épisode où Tintin se promène dans une grotte lunaire et il trouve de la glace. C'est magique, hein, vraiment, c'est magique. Alors, j'ai du reste vérifié, Hergé n'a pas de cratère lunaire. Ça, je trouve ça un scandale. Ah oui. Je trouve que l'IAU devrait faire quelque chose. Parce que Tintin. Ou Tintin. Non, j'ai regardé, malheureusement. Mais par contre, il y a un astéroïde qui s'appelle Hergé. Enfin,
C'est pas la Lune. Mais enfin, on pourrait imaginer Tintin, Milou et Hergé sur la Lune. J'ai relu ça par cœur. Et la glace, c'est ça. Je crois que c'est le bon moment peut-être pour te dire bonsoir. Et vraiment encore merci pour cette très brillante présentation. Et je crois qu'il y a tellement de réactions là sur le site. Je crois que ça va être très suivi. Bah, merci écoute, encore. On te souhaite un bel été, Thierry. Et puis, je m'adresse aussi à tous ceux qui nous ont suivis ce soir. Donc, passez de bonnes vacances. N'oubliez pas de vous protéger. Et puis, retour le 8 septembre donc, pour la prochaine conférence de l'IAP. Voilà. Il sera confiné et déconfiné. Voilà. Il faut espérer. Bon vent. Et comme disait Thalassa, bon vent. Et j'espère que et bonne rentrée. Et merci à Jean Mouette qui est là avec nous et qui a assuré la retransmission en ligne de tout cet événement. Merci Jean, merci Thierry et bonsoir tout le monde, à bientôt. Et à la prochaine.